Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey Sans Limite hebdomadaire ce soir de 18h30 à 20h. Un bon show, on a un gros show quand même à vous donner, beaucoup de choses à parler aussi. Alors, on a de la misère à connecter Ellie avec son Skype, je pense qu'il y a des problèmes, il y a un update qui va se faire. On va l'ajouter, inquiétez-vous pas, Ellie va être là. Pour l'instant, ben, j'ai d'autres panélistes aussi qui sont là ce soir. Et on a un gars de l'Ouest canadien, puis on a un gars de l'Est du Québec. On va dire ça comme ça. Hein? Mike et JD, vous êtes en forme les boys, t'es en forme mon Mike? Top shape, il est pas là, top shape. Il va s'en venir, attention, il s'en vient. JD, t'es en forme, toujours en forme, fait longtemps. Oui, moi je vais dire comme Claude Julien, mon habit pour le show me fait encore, donc oui, je suis en pleine forme. All right. Je vais avoir votre opinion sur le match de hier, on va le dire. J'ai une statistique qui est sortie hier soir. Hier soir, il y avait 5 équipes qui revenaient d'un congé de 5 jours. 5 équipes. Les 5 ont perdu hier. La fiche globale des équipes qui reviennent d'un congé depuis, on parle depuis le début de la saison. Là. 3 victoires, 12 défaites, 4 défaites en prolongation. Au mois de février, c'est aucune victoire. 8 défaites et 3 défaites en prolongation. Dans tous ces matchs-là, il y a 37 buts qui ont été marqués contre 67 buts alloués. Est-ce que les joueurs vont vouloir garder cette semaine-là? Je me pose la question sérieusement. Mais je veux revenir sur vous autres, sur votre match hier. Parce qu'hier, on en a parlé, nous autres, après le match, du match des Jets. Mais je veux avoir votre opinion là-dessus, JD. Qu'est-ce que tu as pensé du match hier contre les Jets? Ouais, je veux dire, on a vu... moi, j'ai trouvé qu'il avait bien parti. Je trouvais que le match était quand même assez proche. Mais... je sais pas pourquoi que les roues semblent tomber de temps en temps. On dirait qu'ils perdent une roue, puis là, ça déraille. Là. Ils sont pas capables de redresser le chemin. Price a très bien joué. Il y en a plusieurs aussi qui ont bien fait, je crois, en tout cas. On voit que Julien a juste eu un entraînement avec son équipe à ce moment-là, puis il a pas été capable de tout redresser. L'avantage numérique, je sais pas ce qui se passe. Je veux dire, il était parmi les 3 premiers à un moment donné. Puis là, on dirait qu'ils sont plus capables de rien faire que de l'allure. J'ai l'impression, moi, que c'est une question de confiance. Il y avait de la rouille, là, hier, c'est certain. Mais il y a une question de confiance, là. Ouais, c'est clair. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu le sens. Tu sais, Julien, il est arrivé, il n'a pas encore mis son empreinte sur l'équipe. T'sais, il fait une pratique dans l'après-midi, vendredi. Il sait qu'il joue le lendemain après-midi. Qu'il peut même pas avoir une pratique optionnelle le lendemain avant un match pour dire on va placer des affaires. Non. T'sais, on a vu beaucoup d'improvisation pendant le match hier. On a vu Shaw au centre en power play avec parce que Galchenyuk a été 2-11 dans les mises en jeu, fait que on s'entend que il a mis Shaw avec Radulov et Pacioretty, puis on a vu Galchenyuk à l'aile avec Plekanec et Gallagher. Je pense qu'il voulait faire c'est avoir Pacioretty du côté droit puis Galchenyuk aussi du côté droit avec le one-timer, OK, proche du cercle de mise au jeu, là, avoir deux bons gauchers qui peuvent lancer. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont séparé. Là. Puis on sait ce que Shaw fait sur le power play. Là. Il fait comme Gallagher, lui, il va se planter en avant du filet. Ouais, exactement. Là. C'est pas lui qui va avoir les mains qui va... Je me demande, Yannick, je sais pas si vous l'avez vu, mais je me demande si c'est encore Kirk Muller qui s'occupe du power play depuis que Julien est là ou non? Julien a dit qu'il gardait les gars en place, allait s'occuper de la même affaire. Donc, Daigneault s'occupe encore des défenseurs, puis c'est encore Muller qui s'occupe du power play. Puis la chimie a l'air quand même... Ça, c'est de valeur à propos de Daigneault. Ben, pourquoi? J'aime pas ce qu'il fait. J'aime pas son travail. Moi non plus. Non, je suis d'accord avec toi. Écoute, ça serait supposé être une de nos forces, des avantages numériques. Avec l'arrivée de Weber, on s'attendait à être encore meilleur. Veux pas. Weber, c'est une bête défensive, on va se le dire. Là. Même s'il va moins bien offensivement, c'est une bête défensivement.
puis c'est pas le cas. On le voit, le désavantage numérique est un des pires de la ligue. On est 23e, 23 ou 24e même. Je peux pas vraiment placer où, là. Mais moi non plus, je suis pas un fan de Daigneault. Puis tu le mentionnes souvent, mais... Son contrat est fini à la fin de l'année, lui. Ouais. Je pense que oui, je suis pas sûr, mais je pense que oui. Donc, je sais pas si... C'est le contact que Julien a dans la ligue, d'après moi, lui, c'est jour son contrat. Je sais pas, un petit coup de fil, là, à notre bon vieux Larry Robinson, qu'on triperait tout d'avoir ici. Eh hey boy. Je pense qu'il aime sa job avec San Jose, moi. Il fait son travail de la maison en Floride. Il n'a pas besoin de voyager comme il le faisait avant. Quand t'as Brent Burns en avant de toi, c'est une bête cette année, lui. Ça n'a juste aucun bon sens. Toi, Mike, qu'est-ce que t'as pensé du match d'hier? Moi, j'ai pas vu la première moitié du match. J'étais au travail, mais j'ai vu la deuxième. Puis, Colin, ça faisait dur. Manque de cohésion. La moitié de l'équipe, on dirait, manquait de cœur. Chance Price était là. Ce match-là, ça aurait pu être un massacre. Ça aurait pu finir 5-6-1 facilement, sans même exagérer. J'ai beaucoup aimé le Markov, puis Price, puis le reste, ça laisse à désirer. Beaulieu, Galchenyuk, c'est crampe au cerveau par-dessus crampe au cerveau. Galchenyuk, va falloir qu'il se retrouve, parce que lui, ça devient inquiétant d'aplomb. Là. Beaulieu, on s'y est fait. Là. Il est assez régulier depuis le début de l'année, depuis le début de sa carrière, en fait. Fait que lui, on s'y attend, mais là, Galchenyuk, là, il est temps qu'il se réveille parce que. Ouais, là, parce que. Excuse, ça se fait plus, là. Ouais, parce que moi, au début, je disais, donnez-y 8, 10, 12 matchs, là, mais là, ça fait 13 matchs, puis sérieusement, j'ai l'impression qu'il déteste. En tout cas, on va revenir plus tard sur Galchenyuk, si vous voulez bien. À la fin, j'ai comme une question pour vous autres, donc on va revenir là-dessus, mais hier, personnellement, moi, j'ai regardé le club jouer, je pense pas que c'était un manque d'effort. Je pense que l'exécution était tellement mauvaise que t'avais l'impression que les joueurs se forçaient pas. Puis quand tu as 37% de mise en jeu au global, donc tu passes le match à courir après la rondelle. On va s'entendre là-dessus, là. Tu sais, là, tu gonges jamais à pas, tu gonges jamais les mises en jeu. Le Plekanec était le centre le plus utilisé hier. J'avais vu du monde sur Twitter qui disait « Check bien ça, il va bencher Plekanec. » C'est lui qui a développé Plekanec en 2003. Plekanec est arrivé en 2004 ou 2003 dans la Ligue nationale. Donc, il connaissait. Je pense qu'il a voulu donner la chance un match à tout le monde. On a vu Plekanec revenir sa troisième ligne aujourd'hui. Je pense qu'il va comprendre là, que Plekanec, je pense que... C'est ça, c'est un troisième centre. On va se le dire, là. C'est un troisième centre. Tu sais, il n'y a rien d'autre à dire que ça, là. C'est un troisième centre. Est-ce que Eli est connecté? Ben oui, tabarnak! Ah! Il est de retour! Désolé, les boys. Je sortais mon cours d'aquaforme. Si j'avais encore mes flotteurs, ces bras, il fallait que, tu sais... Non, j'ai eu des problèmes avec mon micro, je niaise. Mais non, je suis là. Fait que, de quoi on parle? Yannick n'est pas habitué. Il ne s'est pas fait interrompre pour son époque. Ouais, si, je m'attendais, j'attendais tout le temps. Il n'y a rien à dire, lui. Mais il s'est fait interrompre pendant 25 minutes. j'ai pensé le faire, Eli, mais tu le fais tellement bien. Ben, je suis là, je suis prêt. Ben, Eli, justement... Ah, c'est ça, c'est justement à toi, ça tombait bien. On voulait avoir tes impressions sur le match de hier du Canadien contre les Blues. Ben, Les Blues. Et tu dis les Blues, moi? excusez-moi. Seulement c'était les Blues, ça aurait été peut-être plus acceptable. Je pense, puis regarde, ça c'est une théorie bien personnelle. Je pense que l'effet Julien, OK, a été annulé avec le fait que le directeur gérant dise à toutes les tribunes qu'il n'y aurait pas d'échange, qu'il n'y aurait pas de tu sais, que... Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Sinon, ben, il y a d'autres choses qui se trament dans cette équipe-là qui est plus gros que le coach. En même temps, il dit ça chaque année. Il dit ça à chaque année. L'année qu'il était chez Vanek, il dit « Je m'attends pas à grand-chose. » L'année qu'il était chez Petrie, il dit « Je m'attends pas à grand-chose. » Un DG peut pas arriver... Oui, ouais. Non, c'est vrai, sauf qu'on dirait que cette année, ça a fait plus mal. Mais en tout cas, c'est la seule façon que je puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ben, Eli, veux-tu te l'explique, oui? Je l'ai dit au début du show, mais je vais te la redire à toi parce que tu n'as pas vu la statistique, là. Les retours du 5 jours de congé. La fiche des équipes, présentement, c'est de 3 victoires, 12 défaites et 4 défaites en overtime. Au mois de février, la fiche de ces équipes-là, c'est de aucune victoire, 8 défaites et 3 overtime, lost. Puis hier... On est là-dedans qu'ils ont changé de coach. Hier, oui, mais c'est ça. Attends un peu, je vais revenir là-dessus. Puis hier, il y a eu 5 équipes qui revenaient d'un congé de 5 jours. Les 5 ont perdu. L'effet du coaching, là, il peut pas l'avoir, Julien. Il y a eu une pratique en après-midi, 1 heure. Il pouvait pas commencer à arriver puis dire « OK, je vais implanter mon système. » Il va toutes les mélanger. Là, aujourd'hui, il a commencé à le faire tranquillement, puis demain, il va le faire aussi. Puis mardi, d'après moi, on va commencer à avoir les bénéfices. Moi, c'est ça qui arrive. Moi, je pense que tu mets la performance d'hier plutôt sur le dos de l'exécution. Alors que moi, je vois qu'il y a eu
du manque d'effort ou du monde qui ont figé comme, comme un daim devant des phares d'auto. C'est pas mal ce que j'ai dit. C'est pas mal ce que j'ai dit. Lui, il manque de cohésion et manque de cœur, on dirait. Je peux pas comprendre avec tout ce qui s'est dit sur Galchenyuk qu'il nous sorte une performance pitoyable. Genre ouais, une des pires. C'est Beaulieu, tout le monde qui était pointé du doigt, tout le monde qui... peut-être qu'ils s'attendaient à des solutions miracles. Tu sais, le monde, on dirait que c'est des joueurs qui, en se disant, on va changer de coach, tout va être réglé. Puis c'est pas de mal. Tu sais, ils sont trop jeunes pour comprendre qu'ils font partie du problème. Ben oui, regarde. En tout cas, veux-tu comment je vois ça? C'est qu'hier, je leur pardonne parce que je vais mettre l'excuse du 5 matchs, le 5 jours de congé sur le match d'hier. Mais si mardi soir, contre les Rangers, ils me donnent ce genre d'effort-là. Puis ce genre d'exécution-là, sérieusement, là, ça sera pas le même message que je vais dire. Là, je dis que c'est le manque de cœur, par exemple. Le manque de cœur, comment ben, tu peux... Hier, je voyais pas un manque de cœur. Je voyais une équipe qui manquait tellement de cohésion qui courait tellement toujours après la rondelle qu'ils sont venus à... Ben, ça fatigue, ben, ça, là. T'as eu 37% mais de mise en jeu. Ça semble être un peu pas objectif, comme vision. Parce que... je pense qu'on a commencé avec un gros 5-10 minutes de jeu. Où ben, que là, on semblait... Moi. T'sais, on semblait avoir une énergie nouvelle. On voyait les vétérans, Markov, Plekanec, qui étaient comme soulevés. Mais c'est quand on a vu que c'était encore une fois pas tout le monde qui se levait en même temps. Qu'est-ce qui est un défaut chronique de cette équipe-là? Présentement, oui. Fait que non, mais c'est très, très décevant. Puis moi, je regarde la grogne qui s'est levée, le monde qui ont hué puis tout ça. Ils auront pas grand lousse. T'sais, maintenant, c'est bien beau la tête du coach, ça fait 5 ans, nanana. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment lui le responsable des déboires? Je pense qu'hier, on a eu la preuve qu'il y a des responsabilités ailleurs qui ne se sont pas prises, selon moi. À la base, un changement d'entraîneur, on va se dire tout de suite, c'est jamais vraiment la faute complète du coach. C'est un ensemble, puis c'est à la base, moi je vais toujours le dire, peu importe le coach qui est congédié, c'est les joueurs qui décident de jouer pour lui ou pas. Ça, là, c'est ça, ça ne changera jamais d'idée. Mais je veux poser une question à notre vétéran. JD, t'as-tu déjà vu une équipe sortir aussi flat, une équipe du Canadien, mettons, on va dire, là, sortir aussi flat après un changement d'entraîneur? Tu t'en rappelles-tu? Moi, j'essayais de me remémorer. Je sais que c'est déjà arrivé, là, mais c'est vraiment rare. Toi, est-ce que tu as un souvenir après un 5 jours de congé? Il faut pas te foutre du mensonge. Je pense que Yannick vient de mettre le doigt sur le bobo. Là. On a vu les statistiques à travers la Ligue nationale. Là. C'est pas juste le Canadien. Je cherche pas d'excuses là, pour l'équipe, le manque d'effort, puis tout ça. Mais je pense qu'on a une équipe là, qui est fragile. La plupart des joueurs qui sont sur cette équipe-là étaient là l'année passée. Ils ont vu ce qui s'est produit. Et puis... ils ont la confiance fragile en voyant « Ah non, pas encore ». Puis là, après le 5 jours de congé, ils ont les jambes rouillées. Puis à la fin, j'ai l'impression, moi, que la tu sais, on parle, là, tu peux pratiquer, mais d'autres, ils ne pratiquaient même pas, là, parce que c'est 5 jours de congé, mais on dit là, qu'après la pratique, tu peux avoir autant de pratique que tu veux, c'est pas comme la game shape. Mais cette semaine-là de congé, là, ça l'affecte les joueurs. Là, tu ajoutes ça avec la confiance. Même s'il y a un changement d'entraîneur, l'entraîneur, s'il avait pu pratiquer avec son équipe toute la semaine, on aurait vu un match différent, d'après moi. C'est pour ça que tu regardes aujourd'hui, il y avait la pratique Provigo là, avec les partisans. Et puis, il y a plusieurs journaleux qui disaient eux-mêmes qu'ils étaient tous surpris de voir que c'était une pratique ordinaire. Mais moi, j'étais sur Twitter et je lisais ça et je disais, ben voyons donc, pourquoi tu es surpris? Claude Julien vient d'arriver, il a eu une pratique avec son équipe, il a moins de 3 jours pour redresser les choses puis implémenter son système. C'est certain qu'il va profiter de cette pratique-là pour avoir une pratique ordinaire. Mais remarquez, on parlait de Galchenyuk, là. Mais Galchenyuk, Dano est revenu sur le premier trio aujourd'hui à pratique. Ouais. Puis Galchenyuk, il est tombé sur le deuxième trio. Ça, c'est une des choses que certains partisans... Ça a l'air qu'à la fin de la pratique, Galchenyuk est retourné sur le premier. C'est ce que j'ai lu, moi. Je l'ai pas vu, mais je l'ai lu. Que les défenseurs sont venus comme ils étaient, mais parce qu'ils avaient changé ça aussi. Il y avait Markov avec Weber, mais j'ai rien lu au sujet de Galchenyuk. Mais ce que je dis, en fait, c'est que les gens pointaient Terrien du doigt à propos de ça. Mais on regarde Julien, puis tout le monde le voulait, là. Il fait la même chose. À un moment donné, là, je suis d'accord avec Yannick. À un moment donné, là, faut que tu arrêtes de pointer le doigt à l'entraîneur, puis il faut que tu regardes les joueurs, puis il faut que tu regardes dans le miroir. Les seuls joueurs qui ont été constants presque toute la saison,
c'est Radulov puis Pacioretty. Pacioretty, on s'entend, là, il s'était cassé un pied. On peut mettre Dano aussi là-dedans. Moi, il y a quelque chose qui semble transparaître de ça. Puis ça, c'est une autre théorie. Là, vous allez probablement rire de moi encore une fois, comme d'habitude. Mais le fait que cette équipe-là ne se lève pas en même temps à ce moment-là me prouve qu'il y a peut-être de la dissension dans ce groupe-là. Qu'il y a peut-être, alors qu'on pensait que c'était un beau groupe uni, deux clics ou quelques clics. Non plus, je crois pas. Mais... Ben les boys, Chris, regardez qu'est-ce qui se passe. Ah, pourquoi attends, c'est tout le temps les mêmes qui se lèvent? Je sais, mais attends, on passe un mois de février absolument atroce. Là. On a une victoire, 6 défaites, une défaite en overtime dans nos 8 derniers matchs, ce qui est une catastrophe. T'sais, on va s'en... Le mois de janvier, on a quand même tiré 500. Ça fait que c'est quand même c'est pas si pire. C'est le mois de février là, qui est en train de fucker tout. Là. Présentement, là, c'est à peu près ça. Puis l'effet qu'on était dans une séquence de 1-5-1 avant de revenir des vacances, c'est l'équipe, elle savait que ça allait mal. Là, il y a un changement d'entraîneur, il arrive... T'as retrouves pas ta profondeur ou tu sais parce qu'on a vanté souvent la profondeur en début de saison du Canadien, rappelez-vous. Puis regardez, on voit moins les Byron, on voit moins les joueurs de soutien normalement qui nous apportent une coupe de but. Les Konen, on l'a pas vu se faire une coupe de game non plus, il n'y a pas de chance de marquer. Normalement, au début de l'année, on disait il y en avait, mais il marquait pas, mais il y en avait. Là, il n'y en a pas dernièrement de les Konen. Fait que tu sais, là, j'ai l'impression que JD a tombé sur le point au début, moi, je crois. C'est que c'est un manque de confiance qui est absolument frappant, mais de tout le monde. Il y en a juste deux vraiment qui jouent vraiment en confiance. Puis peut-être, je pourrais même rajouter Dano, c'est ce trio-là ensemble. Puis qui ont marqué, puis je vais le mentionner, là, ce trio-là, là, le trio de Pacioretty avec le duo, je vais dire, Pacioretty-Radulov, ont marqué tous les buts du Canadien dans les 8 derniers matchs à 5-5. Tous les buts ont été marqués par ce trio-là. Il n'y a eu aucun des trois autres trios. C'est pas normal, ça. Il y a personne qui va me dire que c'est normal. Une autre chose qui est énorme, à propos de Galchenyuk, là, il s'en va en Floride. Ouais, c'est beau, vas-y, 2-3 jours. Mais pendant que les autres s'entraînaient avec Adam Oates vendredi, lui, il était où, Calis? T'as de la misère sur Atlas. T'es pas en shape. Ouais. T'as de la misère au face-off. Allume, Calis. Il est temps qu'il allume, lui, là. Ouais, c'est clair. Mais on va en parler de Galchenyuk. C'est comme Pacioretty et Radulov qui s'entraînent avec lui, puis lui, il est pas là. Moi, je comprends pas. Radulov, s'il y en a bien un qui peut slacker les entraînements, c'est lui, là. Puis lui, il est surtout Galchenyuk au mois de février, il y a un but, deux passes, il est moins 5 depuis qu'il est revenu au jeu en 8 games. Ouais. Un but, deux passes, moins 5 en 8 games. Puis le Canadien, il est 1-6-1 au mois de février depuis qu'il est revenu. Je veux pas pointer du doigt Galchenyuk seulement, là, mais quand non. Je dis qu'il y a en masse de blâme à partager sur tout le monde, Carey Price va être le premier à admettre aussi qu'il a pas connu un bon mois, il a pas fait 2 mois là, qu'il joue pas bien. Il a bien joué hier, surtout, là, j'ai trouvé qu'il y avait, on dirait qu'il se déplaçait mieux, puis qu'il essayait de... Il avait j'ai remarqué ce que j'ai dit, plus agressif. J'ai remarqué ce que j'ai dit, il me disait, tu sais, il a fait 2 saves hier, il a resté debout, tu voyais que sa concentration sur son suivi de rondelle était vraiment meilleure de c'est loin ça. Des derniers mois, là. Plus combatif. Ouais, mais je pense que lui, il comprend aussi que, tu sais, la plupart du monde pense que c'est de sa faute si le coach est parti ou c'est qu'une des raisons pourquoi il est parti, le fait qu'il ait perdu sa confiance. On va dire les vraies choses. Si Price aurait maintenu un 915-920 d'efficacité, Terrien serait pas parti aujourd'hui. On va se le dire tout de suite. Non, ça, c'est sûr. Tu sais, c'est plate, mais c'est ça. Mais ça, c'est bon. C'est bon qu'on voit qu'il se ressaisisse et tout ça. La seule affaire, c'est que je comprends pas que ça fasse pas un effet domino. Moi, j'ai pas compris... Comment qu'on a pu sortir une deuxième période aussi à tâtons que ça? Genre, il y a des choses qui restent à comprendre là-dedans. Je pense que les joueurs, comme vous l'avez dit, je pense qu'on s'entend tous là-dessus, on n'a pas les mêmes opinions sur le reste, mais les joueurs doivent prendre responsabilité des défaites et commencer à se regarder dans le miroir et se dire entre eux, au pire, les vraies affaires, pour qu'on arrête de pas... tu sais, regarde, c'est simple. Dans la Ligue nationale, là, si tu veux gagner, là, il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue en même temps. Il n'y en a pas d'autre façon. Les équipes sont tellement équitables côté talent, ils ont tellement rendu une parité que si il y en a juste la moitié qui tire, ben, ça va peut-être marcher un match, ça va peut-être marcher deux matchs, mais après ça, eux autres vont se fatiguer et ça va collapser, comme qu'est-ce qui est arrivé avec le Canadien. C'est qu'il y en a trop longtemps, là, c'est quelques gars qui ont tiré le bateau, ils se sont épuisés, puis là, la responsabilité des autres joueurs est de se regarder dans le miroir et de dire « Ok, c'est à mon temps de pousser. » Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais, c'est clair que ça prend un regroupement. Je pense que t'es dur sur le premier match. J'aurais aimé ça voir le même effet avec Claude Julien qui arrive sans le congé.
Là, peut-être que j'aurais eu, si on aurait joué ce même genre de match-là, j'aurais peut-être eu les mêmes inquiétudes. Tu sais, les boys, ils sont pas allés faire un décathlon, là. Non, mais tu viens rouillé, c'est normal. L'affiche des équipes à travers la Ligue nationale le prouve. Tu sais, il y a 3 victoires seulement en 18 fois. C'est pas un hasard, là, si c'est global à travers la Ligue nationale. Là. Non, hein, tu le vois souvent, Élie, tu le vois souvent aussi quand un joueur est hors de l'alignement, que ce soit pour des blessures ou... Qui pratique seulement, mettons, c'est un joueur de frange là, qui est pratique puis qui n'est pas dans l'alignement. Habituellement, le premier match, lorsqu'ils reviennent, ils ont de la misère parce que tu peux pratiquer aussi fort que tu veux, c'est pas comme l'intensité d'un match. Donc, si tu as 20 joueurs sur l'équipe qui ont fait ça, c'est normal qu'il y ait un relâchement volontaire, mais ils essaient, mais ça ne marche pas. OK, ils n'ont pas leurs jambes encore. Donc, en première période, ça a quand même assez bien été, mais... Point de vue stamina, là, point de vue endurance, là, tu vois que ça a fait aider là, dans les deux dernières périodes. C'est normal, ça. Mais c'est pour ça que je dis, moi, t'es pas. C'est pas le temps de paniquer. Okay? C'était la première game avec Julien. Oui, OK, on regarde ça 1, 6 et 1, mais ça l'incluait là, l'ancien temps, si on peut parler. Ouais. Fait que c'est pas le temps de paniquer, c'est le temps de donner du temps à Julien. Puis. Après ça, on pourra voir. Là, cette semaine, là, ça va être révélateur, d'après moi. Ouais. T'as raison. Moi, je parle pas nécessairement de Julien, de son impact. Je parle que c'est des moments cruciaux qui font que c'est un match différent des autres, où les joueurs doivent stepper up. À ces moments-là, tu dois stepper up. C'est comme un match de série. C'est un match statement. C'est pas un match comme un autre. Est-ce qu'un match en soirée... faire une différence, tu sais, de pratique le matin, les gars se dégourdissent les jambes. Les autres aussi jouaient à même heure. T'sais, l'autre équipe jouait à même heure aussi. Ils ont tous perdu aussi. Ouais, non, mais les Jets, eux autres, ils sont dans une bonne séquence. Ils venaient de jouer un match absolument hallucinant contre les Pingouins de Pittsburgh. Je pense qu'ils ont une affaire comme 72 mises en échec contre les Pingouins, si je ne me trompe pas. Là. C'était absolument une game absolument incroyable contre les Pingouins. Puis eux autres sont dans une course aux séries. Là. Eux autres, ils sont arrivés à Montréal. Il y avait une victoire en 6 games, je pense. Ils sont crainqués pareil. Ça commençait à aller mieux. Le match à Pittsburgh là, leur a donné un second souffle. Wheeler l'a dit. Il dit ce match-là, il faut le prendre comme exemple. Puis continuer à jouer comme ça. Puis ils sont arrivés à Montréal. Puis. Ils ont joué comme ça, on va se le dire tout de suite, parce que Surprise n'était pas là hier, on va se le dire, ça finissait whatever le score. Bon les boys, on va switcher tout de suite, parce qu'on va revenir, on va reparler de Gatineau plus tard, inquiétez-vous pas, dans le dernier segment, on va revenir là-dessus. La question hockey sans limite, Mike, on va y aller tout de suite avec ta question hockey sans limite, avec les votes, puis après ça on va débattre un peu là-dessus, alors je te laisse aller. Bon, donc la question, quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis l'embauche de Claude Julien avec le Canadien pour 5 ans? J'ai eu 148 votes total. Les choix, extrêmement contents. J'ai eu 43%. Satisfait, 38%. C'était pas mon premier choix, 14%. Puis je préférais Terrien, 6%. Je vais donner les statistiques de Claude Julien. En 998 matchs, il y a 538 victoires, 333 défaites. Je vais skipper les trucs en prolongation là. Son pourcentage de victoire c'est de 603 en série. Il a entraîné pour 109 matchs, 61 victoires, 47 défaites et 560 son pourcentage de victoire. Toutes les honneurs qu'il a eu, il a gagné la Coupe Memorial avec Hull, médaille de bronze au championnat mondial junior. Comme adjoint, il a gagné l'or en 2006. Le trophée Louis A.R. Pierry dans la AHL, qui est comme le Jack Adams de la AHL en 2003. Le Jack Adams en 2009. La Coupe Stanley en 2011. Une finale de la Coupe en 2013. Le coach le plus victorieux de l'histoire des Bruins. Et chez les pros à l'international, en tant qu'adjoint à Mike Babcock, qui a gagné la Coupe du Monde en 2016 et l'or à Sochi. Fait que ça résume pas mal sa carrière. Moi, je vais entendre JD. JD a été mitigé sur l'arrivée. Il a répondu satisfait. Je sais qu'il a été mitigé un peu sur l'avenue de Claude Julien. Moi, personnellement, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt hors d'onde, c'est que j'en avais parlé avec Guy. Guy va s'en rappeler. C'est que je croyais pas que Bergevin allait payer 5... que Molson allait autoriser Bergevin à payer 5 millions par année à Claude Julien avec 2 ans de restant à 2 millions pour Michel Therrien. Je me suis trompé. Parce que moi, c'était Hartley ou lui, mais j'aurais pris Julien avant lui. Étant donné son historique, je vais entendre JD là-dessus. Donc, vas-y, JD, je te laisse la parole. Je trouve que l'argent, ce qui me concerne, là, combien un coach est payé, moi, je m'en fous. Ça, c'est des affaires à Jeff Molson. Ouais. C'est lui qui décide combien il veut payer ses coachs. Puis, s'il veut en payer un à maison, puis il veut en payer un autre pour coacher, ben c'est ses affaires à lui. Il y a de l'argent. Jeff Molson est capable de le faire. Donc, l'argent qu'il fait.
ça ne me dérange pas parce que ça ne compte pas sur le cap salarial. Les joueurs, c'est différent. En ce qui me concerne, ma première réaction quand j'ai entendu que Claude Julien prenait la barre de l'équipe, j'admets que ma première réaction, c'était j'avais peur qu'il essaie de faire de cette équipe-là une équipe défensive. C'est sûr que les Bruins ont marqué plusieurs buts au cours des ans, sauf que le Canadien n'avait pas l'offensive, ou non pas l'offensive présentement que les Bruins avaient dans le temps. Parce que on regarde maintenant que Sweeney il s'est débarrassé de plusieurs marqueurs des Bruins. On voit que les Bruins avaient plus de misère sous Julien à marquer des buts. Dans ce temps-là, c'est certain que c'est un peu faux parce qu'il faut que tu resserres ta défensive si tu n'en comptes pas autant. Le but de la game, c'est de marquer plus de buts que ton adversaire. Donc, si tu ne marques pas beaucoup de buts, t'es mieux de ne pas en allouer trop. Mm-hmm. À ce moment-là, puis surtout, là, si tu vois que Carey Price ne joue pas bien, mais là, il faut que tu te resserres en défensive encore plus. Okay? Bon, si tu prends des chances, quand Price est au sommet de son art, tu vas prendre des chances, puis Price va te sauver ton bacon comme il l'a fait avec un certain défenseur qu'on nommera pas. Mais là, c'est une chose. Mais je vais dire, ce défenseur qu'on nommera pas, s'il faisait ça cette année, il serait fait brûler plusieurs fois cette année parce que Price, il n'arrête pas à rondelle. Bon, il n'a pas arrêté au même niveau qu'il faisait dans le passé. Donc, maintenant, avec un peu de recul, Therrien, c'était pas mon homme. OK, je l'ai avoué. Dans le temps, moi, c'était Bob Hartley que je voulais parce que j'aime le style de hockey qu'il prêche. C'est un peu comme Brian Burke. Moi, je suis le style qui aime les gars comme Higginla, les joueurs rough qui peuvent produire. Tu sais, les gars qui peuvent lâcher les gants. Moi, les bagarres me manquent dans la Ligue nationale, c'est de valeur, là, mais moi, en ce qui me concerne, je suis ce genre de fan, là. Donc, mais, par contre, je peux admettre que Therrien a mieux fait que ce à quoi je m'attendais. Donc, je lui lève mon chapeau. Ouais. Je fais la même chose avec Claude Julien. Dans le temps, Jacques Martin, même chose, j'ai détesté l'embauche de Jacques Martin. Oui, parce que lui, c'est strictement défensif. Ouais. OK, on serait pris à 5 devant le filet, puis je m'en fous si mon équipe a de la rapidité. Les 5 viennent dans le filet, puis on ne tire pas à la défensive adverse, même s'il n'y a pas de ligne rouge. Julien, il n'est pas de même, OK, on s'entend. J'ose espérer, qui va, surtout avec Mueller à côté de lui, puis son expérience avec Babcock comme coach, puis les autres entraîneurs qu'il a côtoyé dans les deux dernières années, comme Mike le disait, j'espère là, que ça va lui avoir montré des choses différentes qui peuvent être faites sans éliminer l'offensive. Donc, c'est pour ça que j'ai dit satisfait. Je n'ai pas mis très satisfait parce que, à cause de ma réserve au début. Mm-hmm. Ben, je suis d'accord. Moi, c'est à peu près c'est exactement ça que j'ai dit aussi, satisfait. Pas pour les mêmes raisons, mais c'est assez similaire. Moi, c'est plutôt parce que j'ai pas l'impression que le gros du problème de l'équipe était le coach. Je pense que c'est un move que tu fais pour tenter de fouetter l'équipe, mais ça résout pas les problèmes. Donc, oui, je suis satisfait que Claude Julien arrive, mais je suis pas très satisfait comme si je pensais que ça allait changer grand-chose. Je pense que ça, le problème est à l'interne de cette équipe-là. Je pense donc que si on veut régler le problème de cette équipe-là, il va falloir faire des transactions. Marc Bergevin semble dire qu'il n'en fera pas. Peut-être est-ce une stratégie pour baisser les attentes. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment le choix d'en faire. Surtout, qu'est-ce qu'on sait depuis les derniers matchs. Puis, écoute, donc, en bout de ligne, oui, je suis satisfait de l'embauche de Claude Julien. C'est un très bon entraîneur. C'est pas mon premier choix. J'aurais pris Bob Hartley, ne serait-ce que pour la nouveauté et le style flamboyant et son style de jeu de hockey que j'apprécie plus comme spectateur. Mais en bout de ligne, je continue de penser que le problème est à l'interne et que pour le résoudre, il va falloir que le directeur gérant fasse autre chose que s'acheter du temps. Ben, tu sais, c'est à l'interne en disant qu'il faut du renfort. Parce que moi, je pense pas que c'est la chambre le problème. Parce que j'écoute les propos aujourd'hui qui ont été dits par les joueurs, puis c'est tout sauf une équipe qui est pas unie, tant qu'à moi. C'est juste qu'une équipe qui manque énormément de confiance. Je pense qu'il faudrait pas se surprendre qu'il y ait du mouvement de personnel. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Puis donc, quand tout le monde. Que vous attendiez tout à rien, c'est bon. Tu sais, ça baisse vos attentes. Mais selon moi, il va y avoir un échange.
match. Moi aussi. Puis, moi aussi. Puis ça pourrait être surprenant. Ouais, ça pourrait être majeur. Ouais, ça pourrait être majeur. Ça, c'est ça, on va en revenir tantôt. Ça, c'est clair, ça pourrait être majeur. On y revient tantôt. Beaulieu sera plus là. Je pense pas que Beaulieu finit la saison. Ouais, mais ça, c'est pas majeur. Ça, c'est pas mon opinion. Non, mais il peut être inclus. Ça peut faire partie de quoi de majeur. Exactement, exactement. Effectivement. T'sais, on attend les propos de McCarron qui dit « Il apporte beaucoup d'énergie, ça génère de l'excitation. Il arrive avec un grand sourire. Ça illumine le vestiaire et ça reflète sur les gars, sur la manière qu'on agit. Il a plus d'énergie et l'ambiance est bonne. » La différence, c'est peut-être ça. En anglais, ce qu'il veut dire, c'est que le gars, quand il rentre dans le vestiaire, Claude Julien, il a toujours un sourire d'en face. Puis on sait que... Moi personnellement, je vais vous l'avouer, pourquoi j'aimais pas Terrien? À cause de sa face de bête. J'ai jamais aimé cet entraîneur-là pour la simple... C'était juste ça. C'est pour ça que je le jugeais pas pour son travail d'entraîneur, parce que je pense, comme JD, qu'il a fait un excellent travail avec les Canadiens de Montréal. Mais j'ai regardé tout le temps en face, je me disais, Chris, me semble d'avoir ce gars-là qui me coach. J'aurais de la misère, c'est-à-dire que sa face de bœuf tout le temps. Il sourit jamais. Vous avez... Quand moi, tu parles de face, tu parles de son attitude, tu sais, l'espèce de... Ouais, langage verbal. De caïd. Tu sais, il y a vraiment de l'air. Là. Tu le regardes, ouais. Prenez ça hors contexte, là, regardez-le. Il a de l'air d'une espèce de parrain de l'Est de Montréal. Ah, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce qu'il avait de l'air, qu'est-ce qu'il avait de l'air, ceux qui sont assez vieux, là, qu'est-ce qu'il avait de l'air, Scotty Bowman, en arrière? Oui, il avait de l'air de ça aussi. Oui, il avait l'air d'un tueur. C'est vrai. Ouais. Vrai, mais à cette époque-là, c'est ça, exact, c'est une autre époque. Moi, je regarde les coachs à travers la Ligue nationale qui ont changé des dernières années. Je check à Barry Trotz, Bruce Boudreau, puis là, Claude Julien. Les petits gros chauves, pas de coups, là. Ça marche? J'attendais pas celle-là, mais. J'ai pas que les médias. J'ai pas que vous-même. Vu de cette façon-là. C'est théorique ici. Non, mais moi, j'ai pas été très satisfait pour un paquet de raisons, comme vous avez dit. Tout le bagage qu'il a acquis depuis qu'il est parti de Montréal, ça va nous amener beaucoup. Le respect que les joueurs vont avoir envers lui et tout le bagage qu'il amène, tous les championnats qu'il a gagnés, ça en amène beaucoup. Puis ce que j'ai aimé aussi de constater comme statistique, moi, tout, j'étais un peu comme JD, je pensais que c'était plus un coach défensif, mais je savais aussi que les Bruins avaient quand même fini avec des bonnes statistiques offensivement. Mais savez-vous que ça a été une des meilleures équipes pendant tout le règne de Julien en possession de rondelles? Ouais. Dans toute la Ligue nationale, c'est dans le top 5 à chaque année. Ouais, c'est avec le Canadien. Il y a une chose que j'ai remarqué, là, tu parles de ça, là, une chose que j'ai remarqué aussi sur le match d'hier, c'est qu'au lieu de se défaire de la rondelle et de la lancer dans le fond de la patinoire pour faire des changements, il a repassé au défenseur. Puis là, le Canadien faisait ses changements de cette façon-là. Ça augmente le temps de possession grandement aussi, il ne faut pas oublier. Ouais, c'est ce que je veux dire. Au lieu d'arriver à la ligne rouge, puis de lancer dans le fond de la zone, puis donner la rondelle à l'adversaire, bon point. L'attaquant, à place, passait à son défenseur à lui, puis là, il s'en allait au banc. Puis en même temps, tu élimines les mises en jeu, puis hier, c'était une catastrophe. En même temps, tu élimines de courir après la rondelle. Tu dompes la rondelle, tu vas courir après, mais que tu rembarques, là. C'est sûr, parce que c'est les autres qui l'ont. Fait que, tu sais, en la gardant tes défenseurs, t'attends, les changements sont faits, tu gardes la rondelle, possession de rondelle, sortie de zone, let's go, on y va. Jusque hier, ça manquait vraiment d'exécution, là, j'hallucinais, là. Moi, j'étais ça, j'étais comme tabarouette, on dirait qu'ils ont pas joué ensemble depuis à peu près 10 ans. C'était tout croche, comme on dit. Moi, je suis vraiment très, très, très content de sa venue. Je pense qu'il va replacer cette équipe-là. J'en reste convaincu. Le classement, présentement, il se resserre tranquillement. Là, présentement, les Sénateurs qui perdent contre les Jets, 2-1 en troisième période. C'est rendu 3-1. C'est rendu 3-1 pour les Jets. Vous voyez, ouais. Les Jets sont en mission. Eux autres, ils veulent essayer de faire des séries, ils veulent pas. Là. Ils ont quand même une bonne équipe, les Jets, on va se le dire. Là. Ben oui. Mais il manque vraiment de gardien de but. Hier, à l'époque, on l'a pas testé, c'est pas compliqué. Là. À l'époque, ça va être un bon futur, mais présentement, c'est sûr qu'ils n'arrachent. Ils ont donné le rôle tout de suite de numéro 1, puis il est pas prêt. Là. Ouais, en effet. Mais sur papier, c'est écœurant comme équipe. Là. Autant défensivement qu'offensivement, ils ont de la profondeur partout. Il manque juste les nets. Là. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut que Bergevin amène de l'aide à cette gang-là, là, on va se le dire. Là. Oui, parce que je pense qu'on a clairement vu que c'était pas assez de changer le coach. Tu sais que, peu importe les raisons, là, il en faut plus à cette équipe-là qui est trop fatiguée pour l'instant. Il faut quelqu'un qui vienne aider à mettre l'épaule à la roue. Je sais, j'utilise tout le temps cette image-là, c'est poche, là, je vais arrêter à partir de maintenant. mais tout ça pour dire, tu sais, je pense... Mais tu trouves pas un peu dur... Sur un match, de juger aussi durement, surtout après le juge retour. Juge pas sur un match, juge sur les derniers 15 matchs. Mais il faut que tu repars à zéro, que là, faut que t'as pas le choix. Là. On a fait un mouvement qui a coûté la tête à quelqu'un qui le méritait probablement pas.
Puis je dis pas que, regarde, je suis pas un fan de Terrien. Je suis content dans un sens qu'on amène du vent nouveau. Mais le genre de vent nouveau qu'on amène n'est pas assez nouveau. Tu sais, Terrien puis Julien, c'est des prototypes de coach similaires quand même. Ah non, peut-être non, Julien non. Julien est meilleur non, côté communication, mais côté implication, là, les deux coachs sont très demandants. T'arrives, t'espères avoir un souffle. L'autre coach te dit « Ah, ben là, finalement, les cinq gars vont falloir que vous back-checkiez tout le temps. » Puis là, t'es-tu sérieux? Tu sais, dans le sens que c'est pas comme... il faut quelqu'un qui... Il faut que t'amènes des forces fraîches. Moi, je suis convaincu. Ah, ouais, mais comme si je t'entends bien, Élie, là, je vais emprunter une expression de Jean Perron. Là, on est loin de la soupe aux lièvres. On est loin de la soupe aux lièvres. Ben, moi, je pense, très sincèrement, c'est plate, là, puis là, vous allez m'haïr, là. Mais je pense qu'il va falloir très sincèrement commencer à penser à abandonner cette saison. C'est plate. Je suis pas prêt à l'abandonner juste parce que notre division n'est pas super forte. Je vais quand même me rendre à l'évidence que notre division, il y a peut-être. Je pense que dans notre division, puis hier, comme je l'ai expliqué, j'ai comme allumé sur quelque chose. Je pense que dans notre division, il n'y a pas d'équipe dans le. Comment je peux dire ça? Il y a beaucoup d'équipes qui se ressemblent dans notre division, ce qui fait que le classement est terriblement serré dans notre division. Dans les autres divisions, tu vois des équipes qui sont dominantes, qui dominent beaucoup. Mais dans notre division, on n'a pas une qui a pris les rênes de notre. Parce qu'on s'entend, le Canadien aurait pu avoir 3 victoires de suite. Si on aurait 76 points... Ça aurait dû être Tampa Bay, mais Tampa Bay, ouais, c'est pas dans le coup. Exactement. Non, puis c'est ça, comme ils ont eu Bergevin des blessures. Bergevin le dit, il faut faire les séries. Le but, ouais, c'est de faire les séries. Lorsque tu arrives en série, tout peut arriver. Ouais. Donc moi, je suis pas prêt à lâcher sur cette équipe-là. Je pense qu'on a une très bonne équipe. C'est pas une question de lâcher, c'est une question de se dire est-ce que cette année on paye le prix pour essayer le tout pour le tout. Je pense qu'on n'a rien prouvé en tant qu'équipe pour se permettre de faire des locations farfelues. Donc, en bout de ligne, il va falloir s'arranger avec ce qu'on a, ou bien ils vont faire du ménage à l'interne, mais ça sera pour du long terme. Ça va être le big trade ou rien pendant tout. Exactement. Moi, je m'attends à... Bergevin l'a dit. Bergevin l'a dit. Il gaspillera pas le futur pour des locations. Ce que ça veut dire, là, c'est qu'il ne donnera pas ses choix au repêchage ou ses bons jeunes pour un gars comme Hanzel. Par exemple, il n'a jamais dit qu'il donnera pas des choix au repêchage des bons jeunes pour aller chercher un gars sous contrat. Là. Exactement, c'est ça. Exactement. Exact. C'est pour ça que je te dis que dans les circonstances, vu comment l'équipe va, vu la tangente qu'on a, le momentum qu'on a, je suis pas prêt à sacrifier pour de la location, mais je suis prêt à sacrifier des morceaux à long terme. Donc, pour aller chercher du long terme, tu vas chercher quelqu'un qui va remplir un poste que tu avais besoin. Puis là, veux, veux pas, ça va peut-être stimuler l'équipe assez pour qu'elle aille loin en playoff. Mais c'est un move difficile. Puis, alors que moi, je pense que ça va se faire en juillet. Moi aussi. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que, est-ce que l'équipe paye là? Tu peux payer. Tu sacrifies la saison. Non, mais. Puis tu payes le 1er juillet, tu fais des gros mots. Puis là, tu essaies des affaires parce que là, le marché va être libéré. Parce que... C'est plus ça l'affaire. C'est que, tu sais, je pense pas qu'on va aller chercher, tu sais, un Vanek 2017. J'ai beaucoup de doutes là-dessus. Je pense pas qu'on veuille donner cet argent-là, qu'on veuille donner ce capital-là. Là, ben oui, ça coûte un deuxième ou un troisième choix, Benjamin va le faire. À date, à chaque année qu'on est rentré en série, Benjamin a fait un move. On a chez Vanek, il y a eu Petrie, il y en a eu d'autres. Moi, je m'attends à un move de location top 6. Le gros move pour cette équipe-là va se faire cet été. Changement d'entraîneur, là, Terrien va implanter son affaire. Puis rendu en série, là, si mettons Canadien finit deuxième, là, ben on va pogner la troisième position de notre division. Ça veut dire quoi? Peut-être la Floride, peut-être Boston, peut-être Toronto. Moi, j'ai pas peur de ça, là. Puis si on finit premier, là, puis qu'on prend les Rangers ou Columbus, mais c'est plate, là. Mais moi, Columbus, ils m'effraient pas en tout en série. C'est une équipe qui est terriblement jeune. Il y a beaucoup de talent, mais ils sont terriblement jeunes. C'est une équipe qui va apprendre, là, qui apprend encore, là. Puis ça va moins bien dernièrement. Bobrovski va arriver brûlé dans la série. Oui, parce qu'il est trop jeune. Ouais, là, dernièrement, il goûte un peu moins, mais il est parti comme c'est là. Il va se ramasser blessé c'est à la fin de l'année. À date, on va rentrer brûler les séries, nous autres aussi. Ouais, mais j'ai l'impression. Élie, je serais d'accord avec toi en temps normal. Mais moi, ce qui m'ouvre les yeux un petit peu, là, ça a été l'échange Subban pour Weber. Bergevin, il a pris une décision. Il sait que Weber sera pas au sommet de son art pour bien des années. Donc, pour moi, là, la différence, s'il y aurait encore Subban, ce serait différent. Mais là, il y a Weber. Fait que j'ai l'impression que ça me dit qu'il s'en va là.
OK? Il veut gagner présentement. Donc, pour ça, je n'éloignerais pas un gros échange à date limite cette année. OK? Ça ne veut pas dire que ça va se produire. Je suis d'accord avec toi, puis je l'ai dit même souvent sur mon compte Twitter. Sakic, il serait plus intelligent d'attendre au mois de juillet avant de faire cet échange-là, parce que là, tout le monde va pouvoir entrer dans le derby. Par contre, s'il a son prix, il va l'échanger. Mais moi, je suis rendu au point là, que je crois que Bergevin puis Sakic doivent être proches. À cause de l'échange, OK? Juste à cause de l'échange. Sans ça, j'y croirais pas. Mais comme disait Yannick, je pense qu'eux autres, du côté de l'Avalanche, ils ont tout intérêt à attendre le 1er juillet pour faire monter la donne, tu sais, le maximum. Eux autres, ils vont dire à Bergevin, je veux Sergachev, ton premier choix, puis tel joueur. Bergevin va dire non, il va dire, je m'en calisse, je vais aller ailleurs. Si tu me donnes pas ce que je veux, il va attendre que... Parce que il va dire, je vais attendre. Puis il va le faire. C'est pour ça, donc, que la théorie que ça se fasse là, ça se peut. Oui, s'il y a son prix, oui. Mais il y a peut-être une équipe qui va paniquer, rendu pas loin de la date limite, à la journée même, ils vont dire « Fuck it, je le donne ». Puis il va donner tout ce que Sakic veut. Canadien, ça peut être une de ces équipes-là. J'en doute, parce que Sergachev, il le donnera jamais, puis il veut Sergachev, Sakic, on le sait tous. Oh oui, mais on sait pas ça, on va voir. S'il touche pas à Sergachev, moi j'ai pas de trouble, On va en parler tantôt, peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient être inclus là-dedans, on le sait pas. Hein, on le sait pas. Allez les boys, on va faire une petite pause, une petite pause musicale vite fait. Une chanson de Linkin Park, je me l'ai fait demander il y a deux semaines. Puis nous autres, on va revenir, on a encore une chronique rumeur. Il y a JD aussi qui fait sa chronique aussi, qui a rapport avec les rumeurs. Puis ensuite, on a un sujet pour la fin, manquez pas ça. Possible échange de Galchenyuk. On vous tient en haleine. On se revoit à peu près dans 3 minutes et demie, on fait une petite pause, écoutez Hockey Sans Limite. À tantôt. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. Will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far.
est de retour à Hockey Sans Limite. Oui, on y va avec la deuxième partie. On commence ça en force. On commence ça en force avec les rumeurs à travers la Ligue nationale qui va mener aussi à la chronique de JD qui a fait un article aussi là-dessus des pourparlers entre le Canadien et le Lightning. Donc, on va vous laisser là-dessus. Mike, c'est à toi. Je te laisse le micro. Bon, on va te faire une belle introduction, mon JD. Tu vas voir ça. Bon, fait que je commence avec les trades à travers la Ligue nationale. Je vais finir avec ceux du Canadien puis ça va finir avec ce que JD a à dire sur son article. Donc, selon plusieurs journalistes, Curtis Lazar aurait demandé une transaction. Les rumeurs s'intensifient avec les Canucks pour Jake Virtanen. Dans le fond, ce serait un échange de joueurs qui déçoivent dans leurs organisations respectives. Virtanen, présentement, a 10 points en 39 matchs dans la AHL. Puis Lazar, il a 1 point en 30 matchs dans la NHL. Fait que ça va vraiment pas bien pour les deux. Puis Lazar aurait demandé une transaction, d'ailleurs. Adrian Dater, très populaire ces temps-ci, journaliste du Colorado, affirme que les Leafs auraient eux aussi de l'intérêt autant pour Duchesne que pour Landeskog. Mais moi, de mon côté, que Toronto cherche à se renforcer en défensive autant que le Colorado, il me semble que ça ne fait pas de sens, cette rumeur-là. Bruce Garriott du Ottawa Sun affirme que les Sénateurs se sont retirés du derby Matt Duchesne. Sakic aurait demandé Chabot ou Colin White, ainsi que Cody Ceci et un premier choix. C'était tout. Ouais, c'est Chabot puis Colin White, là, c'est deux top prospects. Puis lui, il peut pas sortir de Chabot. Là. Ensuite, Pierre Lebrun a fait une chronique, puis il a parlé de différents sujets. Il a affirmé que les Wings étaient prêts à se départir de Vanek, ça c'est pas une surprise, et de Thomas Yurko, pas de surprise là non plus. Les Stars tenteront d'échanger Patrick Sharp, pas de surprise là non plus. Mais Patrick Eaves aussi pourrait partir à la date limite. Ça, lui, il va intéresser plusieurs équipes. Petit salaire, puis beaucoup de buts cette année. Profondeur, ouais. Ouais, c'est ça. Il a aussi dit qu'il y a de moins en moins d'équipes qui seraient intéressées à Landeskog et Duchesne car le prix est extrêmement élevé. Il ajoute que Montréal aurait montré beaucoup d'intérêt pour les deux joueurs provenant du Colorado. Fait que c'est pas juste Duchesne, ça c'est pour les deux. D'après moi, pas les deux en même temps, là, mais un ou l'autre. Le Lightning serait enclin à échanger Garrison et Coburn afin de pouvoir avoir de la marge salariale nécessaire pour signer Palat et Johnson l'an prochain. Il en ajoute en disant que Brian Boyle est assuré de ne pas être un membre du Lightning au 1er mars. Fait que pour la section ABS, selon Elliot Friedman, Montréal est toujours agressif dans le dossier Matt Duchesne. Notre bon ami Max Trouman de DLC, Marc Bergevin, aurait discuté avec Patrick Roy pour en savoir plus sur Matt Duchesne. J'ai d'ailleurs écouté l'entrevue d'Alex Tanguay au 91 Sports cette semaine. Il parlait justement de Duchesne. La joie, il a posé des questions à propos de Duchesne. Puis il a dit que c'était un très bon kid qui a encore à apprendre, mais qui a des skills hors du commun, une vision hors norme. Tout ce qu'il y a de semi-négatif à dire, c'est qu'il disait que c'était un joueur égoïste. Mais il mentionne également qu'il a joué avec une multitude de joueurs égoïstes, dont Patrick Roy à l'époque, et que ça faisait pas de lui un mauvais coéquipier ou un mauvais joueur sur la glace. Fait que tous ceux qui disent que Duchesne a une très mauvaise attitude, c'est plus ou moins vrai. D'ailleurs, l'insider que je parle depuis pratiquement un an m'a dit de surveiller Patrick Berglund. D'ailleurs, il y a eu plusieurs rumeurs à son sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas, 6 pieds 3, 220 livres, il a 28 ans. Cette année, il a 17 buts, 7 passes, joue en moyenne 15 minutes 30, 50% aux mises au jeu, 122 mises en échec. Il m'a aussi dit qu'il y a des pourparlers pour Brian Boyle. Ça aussi, c'est sorti un peu partout. Un autre joueur plus bottom 6, 6 pieds 6, 244 livres, 13 buts, 8 passes, plus 6, 13 minutes 46 de temps de jeu, 52,5% aux mises au jeu, 83 mises en échec. JD, je suis rendu à la rumeur de Filosa. Tu voulais-tu que je la sorte, puis toi, t'embarques sur ton article? Non, sors là, on pourra parler. Bon, Jérémy Filosa a affirmé sur les ondes du 98.5 et sur les ondes de RDS que le Lightning aurait de l'intérêt pour Tomáš Plekanec. Et ils auraient aussi à l'œil le jeune espoir à la défensive, Simon Bourque, qui connaît une excellente saison dans la LHJMQ avec les Sea Dogs. Présentement, il a 45 points en 48 matchs. C'est un défenseur de 6 pieds 1, 195 livres, avec un bon potentiel. Fait que ça résume pas mal la section rumeur. Un bon jeune défenseur de 20 ans. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il a 20 ans et il joue dans la Ligue junior majeure du Québec. Okay? Ça, c'est assez un an de différence. Ça fait quand même une bonne différence. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas un bon gamble, par exemple, parce qu'il y en a qui se développent plus tard. Au sujet de cette rumeur-là de Filosa,
c'est, ceux qui me connaissent savent que je suis pas trop trop d'un rumeur. Une rumeur, c'est une rumeur, puis c'est trop, parce que c'est trop facile de prendre le monde pour des cons puis inventer des affaires. Par contre, quand ça vient des médias traditionnels, j'écoute un petit peu plus. Cette rumeur-là m'a intrigué à cause de Plekanec. Ça va probablement choquer Yannick, mais... Non, Plekanec. Putain! Son amour, il diminue de jour en jour. Ah Plekanec. Non, ça fait une couple de mois que je peux te dire que j'ai compris que c'est un troisième centre, puis je l'admets à cette heure. Tu sais, Manic, tu peux pas te cacher la tête dans le sable tout le temps dire « Oh non, c'est un deuxième centre! » Non, il est rendu troisième centre, faut l'admettre, c'est tout. Ce qui arrive avec Plekanec, c'est qu'à 6 millions pour un troisième centre, c'est beaucoup. J'en ai parlé déjà en nombre, assez souvent même. Et puis... au point de vue du Lightning, on sait que les deux équipes se recrutent, ça fait un bout de temps. N'oubliez pas non plus qu'ils se sont recrutés l'année passée au sujet de... Drouin, Jonathan Drouin. Hein. Donc, ils se connaissent, les deux équipes se connaissent pas mal, ils connaissent leur club ferme pas mal. À ce moment-là, je me dis que peut-être que le Lightning avait bien aimé Simon Bourque à ce moment-là, et puis ça pourrait amener de quoi? Plekanec, 6 millions, par exemple. Si vous regardez le Lightning, ils sont très proches du cap salarial. Ils sont pas certains, ils sont loin d'être certains de faire les séries. Je crois qu'ils sont 6 points en arrière de faire les séries présentement, puis quelques équipes devant eux. Donc, avec les matchs de 3 points, c'est pas facile de rattraper ça. Donc, je me dis, pas sûr qu'ils vont vouloir prendre du salaire, même s'ils ont de l'espace au-dessus du cap salarial à cause de la perte de Steven Stamkos. Faudrait prendre la masse ou garder une partie du salaire. Garder une partie du salaire, c'est ça, je m'en allais dire. C'est ça. Moi, ce que je crois, c'est qu'il prendrait de la masse. Ce que je crois, c'est qu'il prendrait Plekanec, mais le Canadien prendrait du salaire de Tampa Bay. À 4,5, okay? Il ramasserait-tu, tu penses? Si, mettons, on ramasse 1,5, il me semble que ça a de l'allure, là. Je pense qu'ils vont ramasser le 6 millions, OK? Mais je pense que le Canadien pourrait très bien se servir d'un gars comme Brian Boyle comme troisième centre à la place. OK. Bon point. Ou encore, il pourrait mettre Dano à l'aile, qui pourrait aussi jouer au centre. Ça donne la profondeur de ce côté-là, s'ils vont chercher un gars comme Duchesne. Mais le gars là, qui m'intrigue beaucoup là-dedans, là, point de vue salaire qui pourrait revenir, c'est un gars aussi qui pourrait changer un mauvais contrat pour un mauvais contrat. OK, on s'entend qu'il reste un an à Plekanec à 6 millions. Mais le Lightning, puis Mike y en a parlé, il essaie de se débarrasser de un de leurs deux défenseurs. Garrison, t'intéresse, hein? Pour moi, c'est Jason Garrison. Ouais, moi aussi. OK, il gagne 4,6 millions par année. C'est un défenseur gaucher qui a des aptitudes offensives, quoique cette année, ça l'a baissé pas mal à ce point de vue-là. Mais il y en a combien qui jouent bien présentement à Tampa Bay? Il n'y en a pas beaucoup. OK? C'est à peu près juste un... C'est ça. Il faut prendre ça un petit peu avec un grain de sel. OK? Edman et Strawman, c'est les deux premiers défenseurs au point de vue temps de glace puis au point de vue à quel point là, qu'ils font jouer. Garrison est troisième sur cette équipe-là, OK, au point de vue temps de glace. Donc, si tu allais chercher un gars comme Boyle, puis là, tu amènes Garrison, à ce moment-là, Garrison, lui aussi, il reste un an, mais là, tu as sauvé un petit peu plus, 1,4 million pour l'année prochaine. Donc, je verrais ça. Moi, le Garrison, il est 6 pieds et 1, il fait 218 livres. C'est un gars qui a une bonne combinaison de grosseur et de rapidité. C'est un bon patineur. C'est un très bon travaillant puis qui peut jouer à la pointe sur l'avantage numérique. Donc, il pourrait, là, si mettons là, que, comme plusieurs de nous autres le croient, là, Beaulieu ne finira pas la saison à Montréal, ça pourrait être un gars qui le remplacerait là, à la pointe. Il est mature, il a de l'expérience. C'est un gars qui a juste 28, qui a donné la rondelle à l'adversaire seulement 28 fois. Ça le mettrait parmi les meilleurs, parmi les réguliers des Canadiens, ou le meilleur parmi les réguliers du Canadien. Il a un bon tir de la pointe, comme on a parlé. Il y a 1,3 mise en échec par match, ce qui est meilleur que Beaulieu à 0,9. Je crois qu'il y aurait peut-être un échange qui pourrait se faire avec ça. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais on voit là que présentement, on réalise que Emlyn, avec Weber, ça a fait son temps. Mais peut-être qu'un gars comme Garrison, avec Weber, ça l'améliorerait à la défensive. C'est tellement ça que je m'en allais dire. Est-ce que Garrison, c'est un défenseur quand même assez mobile. Je crois qu'il a été à Vancouver un bout, tu dois l'avoir vu, Eddie, là-bas. Puis moi aussi, je l'ai suivi. Moi aussi, j'avais suivi le trade quand il avait été changé. C'est un défenseur quand même assez mobile. Sérieusement,
Il fait des bonnes passes pour sortir de la zone. C'est un joueur intelligent. OK, puis c'est un vétéran. Je veux dire, si tu veux aller gagner la Coupe, tu as besoin de vétéran. OK, d'après moi, là, il serait meilleur que Beaulieu présentement, c'est certain. Aussi, un autre nom que j'ai pensé, ça, c'est pas des rumeurs, là, mais vous savez que je demeure en Colombie-Britannique. Moi, il y a un gars que je regarde, ça fait longtemps, puis je sais que les Canucks aimeraient ça l'échanger, malgré qu'il y a une clause de non-échange. C'est Alexander Edler. Le gars, à un moment donné, les gens à Vancouver croyaient qu'il pourrait peut-être gagner un trophée Norris à un moment donné. Mais là, il a plafonné. OK? Puis il y a eu un petit peu de misère. Par contre, c'est un excellent, comme Garrison, c'est un excellent patineur. Puis c'est un gars qui passe bien la rondelle. C'est un gars qui a un bon gabarit. Puis c'est un gars qui a de l'expérience. Puis je me dis, ce gars-là aussi, là, à côté de Weber, là, il serait fantastique. Puis ça prendrait pas grand-chose pour le sortir de Vancouver. Combien d'années de contrat, AJD? Il reste 3 ou 4 ans, je pense, à 5 millions. OK, mais c'est un joueur qui n'est pas vieux. Là. Il a 28-29 ans, je crois. Ah, c'est... OK, c'est un gars là, qui aurait... là. C'est un Jeff Petrie du côté gauche. Après cette année, il reste 2 ans de contrat à 5 millions. OK. Mais c'est il a 30 Jeff ans. Petrie. Il est quand même pas vieux, là, 30 ans. 2 ans de contrat? Il reste 2 ans après cette année, oui. C'est rien que... Okay. Si... Ouais, mais tu bourres, là. Tu sais, Ellie a déjà parlé souvent que la masse salariale du Canadien défensive était extrêmement élevée. Si tu gardes Markov à 5 millions, puis c'est que cet été, si tu vas chez Garrison, faut que tu deals les Mellin. Parce que tu peux pas avoir 5 défenseurs qui ont 4 millions et plus dans ton alignement. Pour moi, ça fait pas de sens. Tu peux finir la saison, par exemple, de cette façon-là. Moi, je pense. La seule affaire, c'est que oui, ça serait parfait, mais le gros hic là-dedans. C'est que le marché des défenseurs est tellement haut cette année, Jean. Rappelez-vous quand j'avais mentionné la fois où, Mike Bossy, qui était allé au match des Étoiles, qui avait rencontré la direction du Lightning, qui disait à quel point cette année les défenseurs étaient chers et introuvables. Tout le monde en voulait et l'offre était si peu que les prix montaient, tu sais. Ça fait que donc, je pense pas que le Canadien a intérêt cette année à aller chercher. C'est surtout pour les défenseurs droitiers, Ellie, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs droitiers, mais il y a beaucoup de défenseurs gauchers disponibles. Parce que tu regardes des gars comme John Onduya, tu regardes des gars comme Dan Hamhuis, c'est tous des gars qui pourraient être mis disponibles parce que Dallas commence à tomber dans les séries. Là. Ce ne sera pas long qu'ils vont regarder à se débarrasser de quelques gars. Ouais. Donc, c'est tous des gauchers. Puis regarde, seule l'équipe Canada là, aux Olympiques avait beaucoup de droitiers. Le problème au Canada, c'est qu'on a trop de droitiers, mais dans la Ligue nationale, là, à la défense, il y a beaucoup plus de bons gauchers que de droitiers. C'est sûr. Ben, tu regardes le prix que. Le meilleur exemple, c'est que tu regardes le prix que Edmonton a payé pour avoir Adam Larson. Ils ont donné Taylor Hall, c'est un droitier. Tu regardes le prix que les Canucks ont payé pour avoir Gudmundsson avec la Floride. Ils ont donné un bon espoir et un choix de première ronde, je crois. Puis Gudmundsson, c'est pas un trophée Norris là, qu'il va avoir, là, lui. Non, c'est clair. Fait que les droitiers, c'est plus difficile. Non, je suis bien d'accord là-dessus. Puis c'est vrai, ça réglerait nos problèmes. Mais comme le disait Yannick tantôt, c'est côté masse salariale, côté qu'est-ce qu'on dédie à quoi? Puis aussi, qu'est-ce que le message que ça envoie à l'équipe puis aux fans, tu sais, d'aller chercher un autre défenseur alors que l'équipe a un besoin criant d'attaque? Ça fait que, tu sais, comment les joueurs à l'interne réagiraient à ce type de mouvement en sachant que ça bourre la masse salariale puis ça empêcherait un potentiel autre move? En tout cas, là-dessus, vas-y. Est-ce que, je vais poser la question d'une autre manière, est-ce que l'arrivée de Garrison pourrait aider l'attaque? L'effet que le duo Weber et Garrison pourrait générer plus d'attaques que le duo? Parce qu'on va se dire, là, le duo Emelin-Weber, ça crée fuck all en attaque, ou extrêmement peu à 5 contre 5. Faut pas se cacher, là. On se mettra pas la tête dans le sable non plus, je vais le dire encore, mais c'est ça la réalité, là. Présentement, ce duo-là crée rien en attaque. Là, présentement, on a 3,2 millions sur la masse salariale, présentement, là. Donc, je me dis, si tu fais le deal pour aller chercher, mettons, tu ramasses un Garrison qui gagne ses 5 millions encore pour 2 ans, puis l'autre qui gagne... tu sais, on parle pour cette année, là. Si tu vas chez Garrison, tu deals Emelin cet été, tu vas ralléger ta masse. Je m'attends que Markov signe peut-être 1 million de moins, peut-être 750 000 de moins. Fait que ta masse va être allégée un peu, là. Tu sais, ça va être quand même pas si pire, mais pour terminer l'année... En tout cas, si tu donnes le choix entre Garrison et Edler, je prends Edler 100 000 Oui, oui, Garrison, c'est un gars qui est bon dans
qui est correct dans tout, mais qui est excellent dans rien. Sauf oublie pas une chose, par exemple, je les ai vus les deux. Edler, c'est peut-être un petit peu meilleur joueur. OK, puis il gagne un petit peu plus, c'est juste 400 000 de différence, là. Mais c'est un petit peu meilleur joueur, mais il est aussi susceptible à avoir des crampes de cerveau plus souvent. Tandis que Garrison, il est plus steady. OK, il fait moins d'erreurs, comme je l'ai montré, là, les 22 giveaways là, qu'il a donné, là, il a donné la rondelle 28 fois. Il est moins prone à faire des erreurs. OK, fait que c'est des styles un petit peu différents. Il est meilleur offensivement, Adler aussi. Moi, personnellement, pour cette année, si tu finis l'année, exemple, parce que là, on va, tu sais, comme si, mettons, on échangerait Plekanec avec, je sais pas, moi, un choix de deuxième ronde, tu vas chercher, ou mettons, tu donnes Simon Bourque, comme on en parlait tantôt, puis tu vas chez Garrison, puis Boyle. Bon, t'as Plekanec qui se fait remplacer par Boyle, troisième centre, donc 2 millions par année, il va être aussi fiable défensivement, puis il va te créer à peu près la même affaire que Plekanec crée dernièrement, on va se le dire, il crée quand même 13 buts, là. Non, c'est ça, boys, c'est là. Ça. Puis Plekanec, il crée quoi? Rien. Bon, tu sauves 4 ouais, millions, pas là. Pas juste ça, il amène de la physicalité aussi au moins. Puis de la grosseur au centre, là. Hey, puis avec McCarron à côté de lui, tu sais, c'est une option d'un série, tu veux brasser, t'as un McCarron puis Boyle, c'est un trio. Ça va se calmer un petit peu, tu sais, faut passer plus loin que ça. Moi, je me dis, j'ai pas de trop pour terminer l'année. Si tu termines l'année en fonction que Beaulieu ressuscite, puis le reste ressuscite, en échangeant Plekanec avec Beaulieu puis Emeline, c'est la troisième paire de défenseurs. Moi, j'aurais pas de trouble avec ça. Là. C'est plate, là, mais j'aurais pas de trouble. Là. Personnellement, c'est ce que je croirais. Là. C'est comme trade qui aurait le plus de possibilités. Le problème, c'est, mais... c'est qu'on essaie de faire fitter des carrés, des petits blocs. C'est ça. T'sais, puis le problème, là, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire. Puis on le sait, c'est le problème de cette ligue-là aussi, c'est que si on veut s'améliorer à l'avant, comme on devrait, on va être obligé de déplacer plusieurs morceaux. Parce qu'il faut, il va falloir dédier un chunk de salaire à cette personne-là. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on est comme limité. Oui, on peut faire des petits moves comme vous parlez, qui seraient des moves de profondeur, puis qui nous aiderait à long terme. Mais qu'est-ce qu'on le réel besoin de cette équipe-là est un left wing puis un centre. Ouais, mais je pense pas que ce soit un move de profondeur d'aller chercher un joueur qui joue avec Weber 25-26 minutes par match, par exemple. Non, je comprends, mais c'est pas un move de profondeur, c'est plus comme un move défensif. Tu sais, ce qui est très valable, puis c'est vrai, vous avez raison, ça peut créer de l'attaque à long terme. Ouais, mais j'ai l'impression... Comme on disait, Élie, par exemple, si tu as une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts, tu es mieux d'en allouer moins. Le but de gagner des matchs de hockey, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. Si tu en alloues moins, tu n'as pas besoin d'en marquer autant. Donc, si tu es meilleur défensivement, c'est ça que Julien est en train de travailler aujourd'hui, là. La couverture défensive, comment se replier, puis tout ça. Donc, il voit, là, lui, que oui, il y a Pacioretty. Puis oui, il y a Galchenyuk, mais Galchenyuk n'est pas à son meilleur. Il voit qu'il manque de marqueurs naturels. Donc, il se dit, en attendant, ce qu'il faut, c'est de protéger Carey Price un peu mieux, puis d'empêcher les bonnes chances de marquer de l'autre bord. C'est une bonne affaire, ça. C'est pas méchant. Je suis d'accord avec toi que ça prend de l'offensive, qu'il faudrait qu'il aille chercher de l'offensive. C'est pour ça que je suis pour payer le prix pour avoir du chêne. OK, on s'entend. Sauf que ajouter un top 4 en défensive... C'est absolument nécessaire. Markov, il ne peut pas jouer 25 minutes par match. Il peut le faire quelques matchs, mais il ne peut pas faire ça pendant toutes les séries. Donc, aller chercher quelqu'un qui puisse le faire, c'est aussi important, à mon avis, que d'aller chercher un top 6 présentement. Sauf que cette position-là, en théorie, revient à Sergachev dans 2 ans. Oui. Ça fait que c'est un move d'un an. Tu dis qu'on a besoin de patcher... Non, mais Markov va partir. OK, on s'entend. Non, ouais, okay. Il reste un an ou deux. C'est un move de 2 ans. C'est ça. Ouais, c'est un move de 2 ans. Ouais, c'est clair. C'est clair. Un gars comme Garrison, il est sous contrat pour 2 ans. Il reste 2 ans, exactement. Puis Garrison. Il reste 1 an. Je m'excuse. Adler, c'est 2 ans. Ouais, il reste 1 an à Garrison. Mais Garrison, l'année prochaine, s'il arrive de quoi que Sergachev, il explose puis qu'il va super bien, t'es capable d'aller chercher un choix de 3e ronde pour Garrison. Facile, un peu n'importe où. Là. Oh ouais. T'appelles les DG et tu dis, moi, je suis prêt à prendre un choix repêchage, qui qu'il veut, puis je garantis qu'il y a du monde qui vont appeler pour ça. Là, ça coûtera rien. Il va rester un an de contrat, sa dernière année de contrat.
moi, je serais pas contre le move. En tout cas, personnellement, là, j'aime le point de JD qui dit, bon, présentement, je suis d'accord avec Ellie aussi, je suis d'accord avec les deux. Oui, c'est vrai que présentement, on va se le dire, il y a un trio qui marque pour le Canadien. Il nous faudrait peut-être de la profondeur à ajouter de ce côté attaque-là. Mais en même temps, je me dis, si on n'a pas beaucoup de buts, ou si bien essayer d'en donner le moins possible. T'sais, hier, on a marqué un but. On a marqué juste deux hier, puis on allait chercher un point. Mais non, on a marqué juste un, mais même si Price était solide, puis on a perdu pareil. Ça peut solidifier la défensive, ça peut être des bons moves aussi. En tout cas, j'ai hâte de voir, on va se le dire tout de suite. Là. Hey, les boys, là, on va switcher ça, mais ça va continuer dans le même genre de vibe. On va y aller de même. Galchenyuk, je pense qu'on n'est pas les seuls à se poser des questions dernièrement. Depuis son retour au jeu, depuis, JD l'a dit au début, les 8 matchs au mois de février, seulement 3 points, moins 5. Depuis son retour de sa première blessure, il a joué 14 matchs, il est moins 9. Bon, là, on va voir ses points. Là. Je pense qu'il y a 8 points en 14 matchs, qui n'est pas si mauvais que ça, mais ce qui est pas, mais moins 9 pour un centre, c'est extrêmement mauvais. C'est, on va se dire, oui, l'équipe joue pas bien. Oui, Price a donné des moins à des équipes. Montoya aussi a donné des moins à l'équipe. Ça l'est arrivé, ça, on le sait. Mais est-ce que vous seriez prêt à sacrifier Galchenyuk dans un échange? Il y a Pop Santos sur le chat, il dit, moi, s'il échange Galchenyuk, puis Beaulieu est encore ici. Il dit qu'il va changer d'équipe. Pop, je te connais, je sais, là, tu as comme peur un peu, mais là, on parle pas de donner Galchenyuk, là. Vraiment pas, là. Mais est-ce que vous seriez prêt à inclure Galchenyuk cet été? Mettons qu'on regarde cette année, est-ce que cet été, Galchenyuk pourrait être une monnaie d'échange pour aller chercher un Matt Duchene, par exemple? Je vais répondre à ta question, OK? N'importe qui est échangeable. N'importe quand. Oui, ça, ça, à la dépend, base, oui, ça, on le sait. Ça dépend de qu'est-ce que tu reçois, ça dépend des conditions. Si, admettons, le Carey Price rentre dans le bureau du directeur gérant et dit « Plus jamais, je vais jouer ici, testé, puis il pète les bâtons, puis tout, c'est fini, tu vois le lendemain. » Ben, n'importe quoi peut arriver. Comme on l'a déjà dit, ça, je l'ai déjà dit. Il peut arriver n'importe quoi hors glace qu'on sait pas, puis qui va mener à des. Peut-être Weber qui va partir un jour, c'est peut-être un autre qui va partir un jour. Ça, on le sait pas. Mais dans l'optique que présentement, si on regarde Galchenyuk, qui a quand même 30 points en 38 matchs, je pense, est-ce que tu serais prêt à le dealer dans un deal pour un gars 3 ans plus vieux comme Matt Duchene? Il faut prendre ça en considération, là. Que Galchenyuk, il vient juste d'avoir 23 ans. Que qu'est-ce qu'on reçoit à part Matt Duchene? Parce que, tu sais, je suis prêt à faire un bundle contre un bundle. Tu sais, dans le sens, je ne vais pas donner 3 gars pour un gars. Tu sais, ça va être 3 pour 3, mais je suis prêt à faire des... je suis prêt à sacrifier des joueurs, mais eux autres doivent me donner des joueurs pour remplir des postes pareils. Tu sais, on s'entend. Ouais. Donc... dans le fond, un con... Ben, tu sais, parce que moi, je me dis... Tu m'aurais posé la question il y a 2 semaines, Yannick, là. Il y a 3 semaines, je t'aurais dit jamais, c'est farfelu. Ah, j'ai dit jamais. J'ai dit jamais, voilà, 3 semaines. Mais, je sais pas comment dire. Tu sais, dans le sens, j'ai l'impression que ces temps-ci, il me déçoit beaucoup. Ça m'a déçu comment il a réagi au match, qu'il y avait beaucoup de pression sur ses épaules, je comprends, mais c'est aussi un fait que tu réagis mal selon à la pression. Il est jeune, je comprends tout ça. Tout dépend qu'est-ce qu'on reçoit en retour. Pour Duchene, un contre un, fuck non. Parce que j'ai eu une information aujourd'hui d'une source quand même assez proche de Michel Therrien qui m'a confirmé que Galchenyuk, présentement, c'est un party animal avec le 27. Que le 27 et le 28, c'est vraiment des party animals. Puis que Therrien en avait plein son casse de ça. Fait que là, je me dis, bon. S'il comprend pas avec Julien... Là, un moment donné, tu sais, parce que Pross a été mis dehors pour cette raison-là. Il incitait supposément les jeunes à aller dans cette direction-là. Là, on connaît le début de saison de Galchenyuk. L'année passée, il était extrêmement mauvais après le départ de Pross. Puis on a vu comment il a bien fini, comment il a bien commencé l'année. Puis là, il est retombé dans ses vieilles habitudes. Fait que là, je me dis, à 23 ans, si tu comprends pas qu'il faut que tu prennes la job au sérieux. Comme Mike a dit au début, qu'est-ce que tu faisais en Floride? Qu'est-ce que tu faisais à pas pratiquer? Ça fait depuis le début de l'année. Je vois pas qu'il voit pas ces statistiques qui est 39% des face-off. Allume! Regarde les premiers centres à travers la Ligue nationale. Il travaille. Crosby, là, s'il mettrait pas l'acharnement, l'entraînement, il serait jamais aussi bon que ça. Galchenyuk, c'est quoi? Mais tu sais, Yannick, quand on dit que Beaulieu, faut qu'il parte, là, pourquoi tu penses aussi qu'on dit que Beaulieu, faut qu'il parte? Donc, ça serait plus pour lui de garder Galchenyuk, ouais, c'est ça. C'est lui qui influence. Ben, je dis pas que Galchenyuk est un ange, là. Non. La seule affaire qu'est-ce que je dis, c'est que le fait qu'il soit bien friendly avec lui, puis le fait que Beaulieu soit un douche notorious,
Ben, je pense qu'en même temps, ça n'aide pas les affaires. Puis que si on clairait Beaulieu, on pourrait penser à réchapper Galchenyuk, qui est encore très jeune, puis qui vit beaucoup de pression, puis qui voue bien des affaires. Puis la seule affaire, c'est que... L'autre affaire est que Galchenyuk... Est-ce que Galchenyuk serait meilleur ailleurs dans la Ligue nationale? Peut-être. Probablement que oui. Peut-être. Ça c'est... C'est un des premiers très jeunes qu'on a monté dans la Ligue nationale. On ne l'a jamais fait depuis des générations pour une raison. Ça en particulier. Que le limelight... Tu dis que Galchenyuk... Mettons, on oublie les problèmes hors glace. Galchenyuk, Duchesne, toi tu le ferais pas. Moi, je prétends que Duchesne est une petite coche au-dessus. Présentement, oui! Ben, dans le sens, je trouve que c'est comme... je pense que Galchenyuk pourrait devenir aussi bon que Duchesne à moyen terme. Donc, ça me donne pas grand-chose à part de clairer un gars... Parce que ce qui est cool avec Galchenyuk, c'est que tu l'as développé, Au fond, déjà. C'est ça, tu l'as fait ton moule, comme. Mais par exemple, mettons... Puis Duchesne, ici, là, c'est pas le bon tempérament pour comme arriver ici et commencer à prier le soir, là. Non, je comprends, mais tu sais, Duchesne, c'est ça, c'est plus rendu ça à la glace, mais là, quand t'as un... Tu t'es dit, là... Moi, je vais répéter... Je veux juste spécifier, regarde, on sait rien sur Galchenyuk en particulier, on n'a rien entendu, il n'y a rien, t'sais, on sait rien de plus que vous autres, là, t'sais, par rapport à ça, t'sais. Mais la seule affaire, qu'on constate juste que l'influence de l'autre commence à paraître, puis si les sources sortent pour nous dire que c'est un party animal, sans rien nous dire de plus, là, j'ai jamais entendu dire que c'est un gars qui était sa poudre à fond la caisse puis les affaires de même. Non, c'est un gars qui semble sortir, tu sais. C'est un gars qui semble sortir beaucoup. Mais sortir beaucoup veut aussi dire tu prends ta job. Moi, ce qui me gosse, c'est même pas qu'il sort. C'est même pas qu'il sort, je m'en calisse. Vas-y, amuse-toi. Ben, Pierre, toi, travaille, esti. Travaille. Montre-nous que tu fais de l'overtime. Qu'on te voit faire des face-off une demi-heure de temps, que la pratique est finie, que les caméras te filment, puis que le monde arrête de te gosser et de dire au moins je pratique. On le voit pas faire ça. Il est aussi pas bon dans les face-off qu'il l'était en début d'année. J'ai l'impression qu'il se fie à son talent. Il se dit j'ai du talent, je vais être bon. Mais c'est pas comme ça marche. T'as beau avoir le meilleur talent du monde, si tu travailles pas, tu seras jamais un joueur élite dans la Ligue nationale. Puis ça me tanne ce que je vois. Depuis son retour, Mike aussi, puis moi puis Mike, on est des pros Galchenyuk depuis ses débuts, là. Vraiment, là. Moi, ce gars-là, je le vois. Lui, Piradoula, c'est mes attaquants préférés. Fait que si je le plante, c'est parce qu'il y a des hosties de bonnes raisons de le planter. Ouais. Là. Hey, en passant, victoire des Jets de Winnipeg 3-2 qui viennent d'aider le Canadien de Montréal. Donc Ottawa reste à 2 points avec seulement 2 matchs en main. Donc, puis Ottawa a seulement 25 points. Après nous avoir fait chier, ils nous font plaisir. Ouais, c'est mais c'est on les affronte 3 fois cette année encore, eux autres, ça va être difficile. Mais pour en venir au sujet, je veux passer à JD parce qu'on l'a pas entendu encore. JD, toi, si est-ce que tu crois que c'est Saké qui reçoit un appel et que Bergevin dit je suis prêt à déléguer à Galchenyuk, peux-tu me diminuer ton Sergachev, s'il vous plaît? Est-ce que tu penses qu'il va écouter? JD, es-tu là? Je pense qu'il s'est mis sur mute. Oui, je vous parlais. Mais je le savais, j'étais sûr. Ouais, JD, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis tranquille. Vous avez remarqué, je ne vous ai pas interrompu. T'étais sur mute. C'est un message, ça? Non. Personnellement, je suis un grand croyant que tu ne crées pas un trou pour essayer d'en boucher un autre. Mm-hmm. Le Canadien a besoin d'un autre joueur de centre. Si tu donnes ton meilleur joueur de centre pour en obtenir un autre, tu viens de plugger le trou avec un autre trou. Mais c'est-tu ton meilleur? Mais, oui, c'est le meilleur offensivement. OK. Je veux dire, Dano, il a une bonne saison, mais quoi, lui, il n'est pas proche de Galchenyuk. Non, ça c'est clair. Puis Plekanec, il n'est pas proche de Galchenyuk. Il n'est même pas proche de Dano présentement. C'est ça. Donc, tout le monde boucher un trou avec un autre trou, t'en crées un autre, ça ne vaut pas la peine. Si jamais, ça j'ai l'impression que Galchenyuk, ça pourrait être jusqu'à la fin de l'année. Ça pourrait se passer plus cet été. Si jamais il y a de quoi. Oui, mais il est assigné, oublions pas, là. Il y a Restriction Free Agent. Oh, mais ils vont le qualifier, puis ils vont le garder. Ils m'en fais pas avec ça. Ouais, mais vrai. Même s'il signe, je veux dire, ils peuvent toujours l'échanger, tu sais, on s'entend. Là. Il est encore sous restriction, donc il ne peut pas avoir de no trade ou rien de même. Mm-hmm. Moi, ce que je trouve, là, c'est que s'il est sur le party, il faut arrêter à un moment donné de blâmer tout le monde alentour. Oui, peut-être que Beaulieu est sur le party, peut-être que c'est une mauvaise influence, mais
DSP, il était sur le party lui aussi, puis c'est lui qui s'est fait pogner quand que la blonde à Galchenyuk lui a sacré une claque sur le nez. Là, ils ont échangé DSP. Peut-être une mauvaise influence. Ils ont échangé Prost. Mais là, on dirait que le point en commun, là, c'est Galchenyuk. À un moment donné, ce gars-là, là, il s'entraîne extrêmement fort pendant l'été. On a vu des vidéos cet été. Là. Ça, c'est vrai. Hey, calique, le gars travaille fort pendant la saison. C'est sérieux, en tout cas. Je peux pas dire qu'il travaille pas fort pendant l'hiver parce que je le vois pas hors glace. Ok, je peux pas dire. S'il est sur le party, j'en doute, par exemple, parce que je vais dire, là, tu joues une game de hockey, tu sors le soir, tu rentres à la maison à 4h du matin, tu dors jusqu'à 10h, 11h, puis là, tu t'en retournes pour prendre l'avion ou ben non, tu t'en retournes pour aller à la pratique. Je veux dire, t'as pas grand temps à récupérer. Je te confirme, ma source est vraiment fiable, puis je te le dis qu'il est vraiment sur le party solide avec le 28. Faut arrêter de blâmer le 28. Là. Le 28, c'est vrai qu'il est sur le party, mais à un moment donné, on sait qu'au point de vue quotient intellectuel, le 28, là, il brisera pas des records. Oh my god, j'ai l'impression qu'il faut que c'est à peu près le quotient de son numéro. Mais non, c'est ça que j'allais dire. C'est ça. Regardez, le gars s'en va d'un bord. La pomme tombe pas loin du pommier, là. Parce que tu te souviens, il est allé d'un bord, puis il s'est battu, son père et lui se sont battus dans le bord. Je veux dire, c'est le père et le fils, là, ça ressemble. OK? Fait qu'on sait que Beaulieu, c'est pas le plus intelligent au point de vue de sa carrière. Mais là, il faut que Galchenyuk se prenne au sérieux. La raison pour laquelle Montréal voulait Galchenyuk au lieu de Yakupov, c'est qu'il croyait en son éthique de travail, il croyait en son caractère. Mais là, il y a de quoi qui a changé. Moi, je me souviens très clairement, parce que j'ai toujours été un partisan de Carey Price, même au niveau junior, ici dans l'Ouest, dans la Ligue de l'Ouest. Le monde disait la même chose de Carey Price. Puis regarde ce que Carey Price a fait de sa carrière. Donc, moi, je ne suis pas d'accord à abandonner sur Galchenyuk. OK? Fait qu'il faut... Tu sais, on connaît pas les détails. Comme Élie dit, il est-tu sur la poudre? On sait pas ça. OK? S'il est sur la poudre, ben là, en ce qui me concerne, là, moi, il va trop loin. OK? Mais en ce qui me concerne, là, tu gardes un gars de même, tu vas chercher un gars comme Duchesne ou tu vas chercher un autre centre de qualité. Parce que regarde Pittsburgh. Pittsburgh, ils ont Malkin puis Crosby. Ça lui fait pas trop mal, ça? Non. Tu sais, à un moment donné, là, ça t'en prend des bons joueurs. Puis Galchenyuk, s'il est un peu sur le party, va chercher un gars comme Duchesne qui va peut-être l'aider un peu, qui va enlever un petit peu de pression. Parce que là, toute la pression offensive est sur Galchenyuk. Il y en a aussi, mais tu sais, Dano, il y en a eu aussi, mais il a continué à jouer sa game. Moi, ce qui me tue de Galchenyuk, c'est revirement des hier. Là. Il en a fait un à la ligne bleue. Ouais, là. Ouais. Si Price ne s'évait pas écoute, j'hallucine. Gallagher, avant qu'il se fasse blesser, là, il en faisait des mauvais revirements, j'en revenais pas aussi, là. Tu sais, les gars, c'est à un moment donné, c'est pour ça que je dis que c'est une question de confiance. Mais c'est pas le même talent non plus. T'sais, Gallagher, on sait que c'est un grinder, on sait que c'est un gars qui va aller devant le net. C'est pas le gars qui a les skills à côté. Comme ouais, mais il n'y avait pas l'habitude de faire des revirements. Non, en effet. Quand ils sont fatigués ou quand. Puis là, ça peut être la fatigue aussi s'ils sortent de même. Je sais pas. Ça peut être la confiance, ça peut être une combinaison des deux. Je veux dire, avant qu'ils se fassent blesser, il y avait quoi, 23 points, 24 matchs ou de quoi de même. Tu sais, à un moment donné, là, faut pas abandonner trop vite ces gars-là. Dans le fond, ce que tu dis, clairement, c'est échanger Beaulieu. Oui. Moi, je crois que Beaulieu, là, son temps achève, là, mais je crois pas que ce soit autant pour l'influence de l'influence sur Galchenyuk que une déception sur sa production, sur son développement. Et il s'est fait donner un job tout cuite sur un plateau d'argent en début de saison pour jouer avec Weber. Puis il a manqué sa chance. Puis il paraît pas bien, fait qu'ils donneront pas une autre chance s'il paraît pas bien, fait qu'il faut que tu crées tes propres chances. Philippe Dano, il a créé ses propres chances, puis quand il a eu sa chance, il l'a saisi. Tu sais, à un moment donné, là, les joueurs, il faut qu'ils se prennent en main. Ouais, c'est bon, je pense vraiment comme ça aussi. J'espère qu'il va retrouver sa game, tu sais, parce qu'on va se le dire, là, parce que Élie parle tantôt que l'attaque vient toujours des mêmes. Si Galchenyuk débloque sur une deuxième ligne, parce que là, il était utilisé sur une deuxième ligne avec Gallagher, ça va être un problème que Élie mentionnait au début de l'attaque. Ça va donner de la profondeur à l'attaque, parce qu'il faut plus qu'un trio qui est produit. Là, au début de l'année, on a vanté le troisième, le quatrième, le deuxième, le premier, puis le troisième, puis le deux, puis on était comme, waouh, la profondeur du club, on capotait moi-même. J'étais comme, waouh, j'ai jamais vu autant de profondeur du Canadien. Cette profondeur-là, là, est morte. Je vais vous poser une question, puis répondez-y tout. OK?
On regarde les trios là, que Julien avait en pratique aujourd'hui, là, puis Mike a dit que ça a changé à la fin de la pratique, mais c'est quand même intéressant. Si tu regardes là, qu'ils ont mis Galchenyuk avec Gallagher, puis tu les connais? Non, c'est Byron. Byron. Ça se pourrait-tu que Julien, en parlant avec, avec Marc Bergevin, essaierait des choses pour voir s'il enlevait Dano puis le remplaçait par un meilleur centre, comment Galchenyuk jouerait avec ces deux-là pour un deuxième trio? Ah, très bon possible. Point. Bon, c'est possible. Si tu amènes du chêne puis tu mets Galchenyuk au deuxième proche, centre, il est pas proche trop, à faire un échange puis il voit qu'il y a, la, il y a toujours eu de la chimie dans le passé entre Gallagher puis Galchenyuk. Oui. Je m'excuse. Puis, s'ils peuvent retrouver cette chimie-là, ces deux gars, puis les deux commencent à produire ensemble, ça se pourrait-tu qu'ils garderaient les duos Radulov puis Pacioretty ensemble avec un gars comme Duchesne, puis là, qu'ils garderaient ces deux-là? Hey, ça pourrait rêver Duchesne avec Radulov, Pacioretty. Oh, mais ça, c'est pas des rumeurs. C'est qui là, vous okay? Donnez aux autres pour Duchesne? Ben, ouais, je sais, c'est ça. C'est là que, tu sais, s'il va avoir Sergachev, mettons qu'on peut deal pour dire on va inclure Yulson. Mettons qu'on donne un premier choix avec Yulson, c'est à savoir qu'est-ce que ça va coûter de plus. Là, mais si tu réussis à. Écoute, non, Sergachev, premier choix, mais là, faut que tu rajoutes, là, j'ai pas dit que c'était tout seul, là. On va se le dire, là. Sergachev, c'est un futur vedette dans la nationale. L'Avalanche du Colorado ont ramassé, on sait quoi son nom qui joue à Montréal, le Barberio. Mm-hmm. Ils ont ramassé Mark Barberio. Il joue 20 minutes et plus par match. Penses-tu ouais. qu'il aimerait pas avoir Nathan Beaulieu? C'est clair. Mais tu sais, si t'inclus, si Nathan Beaulieu, Yulson avec un premier choix, c'est pas assez encore. Faut en rajouter. Est-ce, là, c'est là que je vais lancer quelque part d'autre. Beaulieu est un top 4 là-bas. Je vais lancer encore plus loin, moi. Inclus, s'il veut Gallagher, que vous faites quoi? Ouais. Ouais, là, t'as des trous à maudit sur ton top 6. Exactement, tu comprends-tu, c'est ça. Tu sais, bon, ce qui arrive, c'est que... T'as mis dehors, mais tu déplaces. Tu déplaces ouais, ben, problème. Là, si t'amènes again, là... ouais, là, t'as la crise, c'est ça, on va changer deux top 6 contre deux top 6. Si t'as dit pourquoi qu'on change pas juste les chandails, OK? Bon, on va avoir l'Avalanche, puis on va avoir le Canadien. Ouais, c'est à peu près ça. Hey, on a un appel de Guy. Guy, qui est bien sûr notre Guy National, qui est là avec nous autres. Guy, je vais avoir ton opinion, Guy... Toi, Beaulieu, Sergachev, Beaulieu puis Galchenyuk, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'aimerais que Bergevin fasse aussi? Je te laisse aller, Guy. Ben, là-dessus, je pense pas que Bergevin va frais le trade tout de suite pour Galchenyuk. Que Beaulieu parte avant le 1er mars, c'est plus possible. Mais il va garder Galchenyuk, il va traîner le problème le plus loin qu'il va pouvoir. Si jamais ça vient que c'est pas récupérable, là, il va le passer. Mais ça se fera pas là. Ça se ferait l'été prochain, d'après moi. À moins qu'il y ait un deal qu'il peut pas refuser, là, mais je vois pas où il pourra y avoir ça. Là. Puis en plus, non. Si ça se fait, ça va se faire l'été prochain. Galchenyuk ne partira pas tout de suite. Là. Ils vont y donner de la corde pour se pendre le plus possible. Ouais, c'est mon opinion. Ouais, mais c'est un bon point parce que tu vas finir l'année, on va voir après, on va voir s'il change pas d'attitude. Mettons, tu laisses partir Beaulieu, OK, pas de problème. Galchenyuk en même temps, c'est sûr qu'on a un gros nom qui rentre. T'as un joueur de centre qui s'en vient. Puis, moi, dire comme JD, tu vides un trou pour en remplir un autre. Là. Dire, ça ne règle pas plus le problème. Il nous manque un joueur de centre. Fait que je pense que c'est plus qui. Si c'est vraiment le problème avec ces deux jeunes-là, puis j'ai pas de misère à le croire parce que moi aussi, j'ai eu des infos que. Ils ne faisaient pas l'unanimité, ces deux-là, là, au Centre Bell. Ça ne marchait pas depuis l'année passée. Ils ont de la misère. Ils ont de la misère avec les jeunes. Et fait que peut-être que s'ils les séparent, qu'ils envoient Beaulieu ailleurs, à ce moment-là, peut-être qu'ils vont être capables de réchapper Galchenyuk. Ils vont peut-être comprendre, mais là... C'est de valeur quand tu regardes ça, par exemple, parce que
Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de bon leadership dans ce vestiaire-là. Mm-hmm. Si on regarde les gars comme Markov, comme Radulov, comme Weber, Pacioretty, même un jeune comme Gallagher, ouais. Le gars a du caractère et du leadership. C'est de valeur. C'est ça. Oui, mais c'est ça. Tu le dis, Gallagher, c'est un gars de caractère. Lui, là, il sait que s'il fait le cave, s'il fait l'innocent dehors de la glace, cette affaire-là, sa carrière sera pas longue. Parce qu'il n'est pas bourré de talent, mais Galchenyuk. C'est vrai qu'on voyait au début de l'année, Galchenyuk, il se tenait qui? Il se tenait avec Radulov, tout à la bain. Là, depuis qu'il est revenu de sa blessure, on dirait qu'il est juste avec Beaulieu. C'est sa blessure. Ça a commencé là, c'est à partir de sa blessure qu'il a commencé à déraper, je pense. Mais moi, ce que je dis, c'est pas au point de vue caractère de chaque joueur, là. Mais ce que je pense, c'est que comment ça que tout ce leadership-là dans la chambre sont pas capables... Pas capables d'en venir à bout. C'est ça. Tu sais, mais là, à un moment donné, là, tu commences à te poser des questions, là. T'es-tu rendu avec un autre cas d'Evander Kane, là? Tu sais, s'il commence à faire ça. Un gars qui est en train de brûler la chandelle par les deux bouts, s'il continue... Parce que faut que ça arrête maintenant, comme Price l'a fait. Ouais, c'est ce que tu sais, on peut, mettons j'ai inclus, Ellie, je vais te lancer tout de suite là-dessus sur un trade, parce qu'on en parle sur le chat, là, on inclut McCarron. Si j'appelle, moi, là-bas, puis je leur dis, je te donne McCarron, je te donne Beaulieu, je te donne Yulson, puis un premier show repêchage, puis je veux du Shane, tu y penses-tu? C'est beaucoup, là. Là, on donne beaucoup, là. On parle d'un futur top 3 défenseur en Yulson, McCarron, on sait l'impact qu'il peut avoir, on parle de Beaulieu qui est capable de jouer 5e, peut-être 4e défenseur, plus un premier choix, c'est beaucoup, là. Puis on t'envoie, ouais, on t'envoie des harnais pour le salaire. Ouais. Compare ça pour les avec entrevues ce qu'il disait pour Ottawa. Ben, tu sais, moi, je pense toujours comme tantôt que si j'envoie 4 joueurs, je ne veux pas avoir juste un joueur. On parle de jeunes. Houston n'est pas encore développé, mais Karen, il joue 4e trio présentement. Beaulieu, on dit qu'on veut s'en débarrasser. C'est qu'on parle pas de joueurs d'impact avec les Canadiens de Montréal présentement. Non, mais en même temps, c'est des trous dans notre roster. T'sais, tu fais pas du 4 pour 1, je pense que ça arrivera pas. S'il y a des overbids, ça va être du côté des choix repêchage qu'on a quand même en banque, donc on pourra en donner peut-être plus qu'un. Le premier choix cette année, moi je m'en fous, parce que moi, à partir de la part de 10, ça vaut rien. Ben franchement, là, je m'attends plus à quelque chose comme un 3 contre 3 avec un choix de, avec plus de choix d'un bord que de l'autre. T'as vraiment quoi de gros, toi, sacrifier. Écoute, les boys, tout est possible. Sérieusement, en tout cas, tout est possible. La chose qui est certaine, s'ils sacrifient Galchenyuk là, avec Beaulieu, c'est parce qu'ils sont rendus au bout. Ils ne peuvent pas aller plus loin avec lui. Oubliez pas aussi que Bergevin est rendu à l'an 5 de son plan quinquennal. Il doit donc, à ce moment-ci de son quinquennat, prendre des décisions drastiques en conséquence. Ouais, c'est cet été. Parce c'est que là, vous qui commence. C'est okay. Là que ça se passe. Je parle pas nécessairement que ça va se faire à date des... Pourquoi on parle de plan quinquennal? Moi, quand Bergevin est engagé, quand j'ai écouté son entrevue, on lui a posé la question s'il y avait un plan de 5 ans. Il a dit non, moi je veux bâtir une équipe compétitive année après année à l'image des Blackhawks de Chicago. C'était sa réponse. Puis là, on continue à parler d'un camp quinquennal, pas juste toi là, Eddie, partout sur Internet. Tout le monde parle d'un plan de 5 ans. Mais si pourquoi? Même si je te parle pas d'un plan de 5 ans, là, on est rendu, même si c'est comme ça fluctue entre 5 et 8, mettons. Tu sais. Okay. On est à la partie de ce plan-là où on prend des décisions. Repêchage à lui commence à faire la Ligue nationale. Là, tu connais tes joueurs, tes vues depuis 5 années, tu peux calculer une belle tangente, savoir si c'est un keeper ou un gars que tu es prêt à sacrifier. C'est pour ça que je pense qu'il va faire un gros échange, Lee. OK? C'est pour ça que je pense qu'il va faire un gros échange. Mais moi, je pense qu'il ne se fera rien tant que Julien n'aura pas fait un rapport. Là, je vais aller avec ces gars-là. T'as dit une bouteille de coke qui fasse son rapport. Il reste 5 matchs. Dans le fond, Julien, il y a 5 matchs pour analyser l'équipe avant la date limite. Il nous reste Rangers, Islanders, Toronto, New Jersey, Columbus. La date limite, c'est le 1er mars. Mais
Guy, oublie pas qu'il connaît déjà le Canadien, là. Il les haït depuis des années. Oui, mais... Il connaît le roster, il connaît. Mais oui, il connaît pas en profondeur. Mais... Autant il connaît pas les personnes, il connaît pas les problèmes dans le vestiaire. Il connaît autant que toi et moi, man. By far, là. Encore une coche de plus. Parce qu'il y a des, commentaires de ses scouts. Il y a une coche de plus de knowledge sur l'équipe que nous autres on a, puis on les connaît quand même bien. Puis sachant que c'est un petit gars de la place aussi, il veut pas, il regarde toujours le Canadien du coin de l'œil. Moi, je suis convaincu que ça prendra pas 6 ans avant qu'il catch qui fait qui. Puis en même temps, c'est. Il n'y a pas le choix. Ouais. Il a dit sur Galchenyuk qu'il voyait comme la pierre angulaire de son attaque. Il le voyait haut, là. Taper le monde dans le poêle, là, on s'entend. Là. Mais la responsabilité, c'est à Bergevin de prendre ces décisions-là. C'est pas au coach. C'est la job du directeur gérant de savoir quel joueur est ton noyau et quel joueur tu es prêt à sacrifier. Puis il est rendu là, selon moi, dans son plan. Ouais, puis je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que ça va se faire. JD pense à date limite. Moi, personnellement, avec l'expansion, avec le repêchage puis la liste de protection, je crois que ça va se faire après. Je pense qu'après ça, là, tu vas avoir un nombre record d'échanges en Ligue nationale. Un coup que les équipes, l'expansion va être passée, que les joueurs vont être sélectionnés, là, watch it bien ça. Ça va être fou, raide. J'ai l'impression qu'il y a des équipes, ça va partir. Parce que là, la liste de protection va être faite. Chaque équipe va avoir leur rooster. Là, ça va être OK. Bon, c'est bon. Moi, je veux plus ça dans mon rooster. Ça, c'est à trader. Ça, c'est à trader. Tu sais, parce que les équipes vont pas mettre. À l'expansion des joueurs qui ont une valeur. Ils vont vouloir les protéger pour ensuite pouvoir les échanger. T'sais, c'est comme Matt Duchesne, il va être protégé au Colorado. Là. Il va pas le laisser libre. Là. Il va le protéger. Parce qu'après ça, tu vas l'échanger. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Là. Mais tous ces Beaulieu, je sais que t'es pas un grand fan de Beaulieu, Guy. Non, mais je veux pas le laisser aller pour rien non plus. Là. Même si on t'offre un choix de deuxième ronde, tu serais pas prêt à le laisser aller? Non, il faut du concret. Donc, de l'actif, là. Donc, OK, tout le monde est prêt à échanger Beaulieu. Qui tu fais jouer? Mais contre l'actif. Tu fais jouer à sa place? Oui, ben, moi, je verrais Patterson. Moi, personnellement, je trouve Patterson supérieur à... Patterson, je l'aime bien, là, mais c'est pas le même modèle, là. Non, mais il faudrait peut-être y donner de la glace à Patterson. Je vais te dire de quoi, par exemple. Si tu vas chercher... Si tu vas chercher un autre défenseur top 4, là, oubliez pas que Emlyn, il s'en va super là. OK, il s'en va sa troisième paire. Ouais, puis Emeline Patterson, sa troisième paire, moi, j'aimerais ça. Deux gars physiques, durs à jouer contre. Je sais pas. Moi, je regarde jouer Nesterov. Ça vient ce qu'il dit. Ta défensive va coûter cher parce que le top 4 que tu vas emmener. Ouais, mais pour le reste de l'année. Emeline, sa troisième paire. Oh. Ouais, mais Mike, on parle pour le reste de l'année. Deux secondes. Approche-toi du micro, Ellie. Approche-toi du micro. Ah ouais, je suis debout. Non, ta carte de conserve. Non, excusez, ça me piquait à la poche. Trop d'informations, Ellie. Ouais, trop. C'est même pas vrai. Mais, HSL. Oubliez pas, là, on parle de grosses valeurs des défenseurs. Puis du fait que Emeline est probablement à sa plus grande valeur ever. Est-ce que tu sais, moi, dans la même optique que tout est possible, Emeline pourrait être un candidat très, très intéressant pour certaines équipes qui aiment ça, le spectaculaire, puis qui ont besoin d'un brin d'ambition. Pas pour les séries, cet été. Cet été, c'est ça. Moi, je me dis, garde Emeline pour le reste de l'année. Ils ont besoin d'Emeline pour les séries parce que c'est un des seuls physiques. Ouais, il y a 9 mises en échec. 9 mises en échec hier, Emeline. Il avait 6 en première période. Ouais, c'est le genre de game qu'il aime, lui. Les grosses équipes qui viennent et qui frappent, là, à naissant. Fait que les autres DG qui voient ça, là, dans l'Ouest, puis ils font comme, « Hey, man, c'est un défenseur, là, dans mon équipe. » Si tu veux combler tes besoins, il faut que tu donnes quelque chose qui a de la valeur. Mm-hmm. Ouais, c'est clair. Il y a un club dans l'Ouest qui le ramasserait, c'est un club comme Winnipeg. Ils vont l'adorer. Winnipeg, Los Angeles, San Jose, Los Angeles, toutes les équipes, de l'Ouest. Ils vont tous aller le chercher. Anaheim, qui ont 3 défenseurs de 5 pieds 10. Écoute, un défenseur physique comme Emeline, je pense qu'il le prendrait demain matin. C'est pour ça que je dis que c'est pour le reste de la saison. Je serais capable de vivre avec le reste de la saison avec 5 défenseurs qui ont 4 millions et plus, mais cet été, il faut qu'il y en ait un qui parte. Ça, c'est clair. Parce que je pense que Emeline, il faut pas trop mettre d'argent sur la masse salariale en défensive. Parce que là, ça va revenir à ce que Ellie dit depuis le début, on va manquer d'attaque. Fait que, tu sais, pour terminer l'année, je suis d'accord. La masse va baisser, là. Non, elle baissera pas. Ça va baisser là, avec Sergachev, là. Non, puis Sergachev, il y a un contrat de recrue. Ouais, elle va baisser. Tu parles de la masse du Canadien. 800 000. Ouais, tu parles du Canadien, toi, là. OK, je pensais que tu parlais de la masse salariale globale. Je parle de la masse du Canadien, là.
Ben ouais. Écoutez, tu laisses avez-vous partir Rémy Lem, puis tu rembarques Sergachev. Avant le match d'hier, Hockey Night in Canada, je regardais ça en anglais là, sur CBC, et ils ont fait une entrevue vite avec Marc Bergevin. Avez-vous vu ça? OK. Moi, j'ai vu celle-là. Ouais, ils ont demandé à Bergevin une question assez intéressante. Elliot Friedman, il a demandé ça. Il dit, si t'as... Il a introduit ça en disant que, écoute, t'as dit que tu gaspillerais pas ton futur pour des joueurs de location, OK, ce que Bergevin avait dit. Il dit, si t'avais à nommer un de tes espoirs, un prospect qui est intouchable, ce serait qui? Bergevin a souri, puis il y avait Nick Kiprios là, il y avait Kelly Rudy là. Il dit, écoutez, il dit, vous êtes assez intelligent, je pense que vous le savez. Moi, je l'avais lu. Puis toute la gang sont toutes parties à rire. La gang sont toutes parties à rire. Ils savent qu'il ne changera pas Sergachev. Fait que si les journalistes comme ça le savent, pensez pas pour une minute que les directeurs gérants des autres équipes, incluant Joe Sakic, ils savent. Ils savent. Mais j'ai une question pour toi, JD. Lors de cette entrevue-là que j'ai pas vue, il était comment la gestuelle de Bergevin? Est-ce qu'il avait l'air à l'aise? Est-ce qu'il avait l'air particulièrement les traits tirés? Parce que du côté francophone, il avait de l'air extrêmement mal à l'aise. Il avait l'air extrêmement fatigué. Ça avait l'air d'un gars préoccupé. Pour lui, congédié Terrien était très difficile. On sait comment il était proche. Puis il est venu comme les larmes aux yeux quand il a parlé. Puis t'as senti qu'il y avait vraiment une amitié entre les deux qui a peut-être été brisée, là, mais Bergevin avait une job à faire. Moi, je pense que c'est ça qui l'a peut-être épuisé un peu de toute cette émotion-là. Mais est-ce que t'es d'accord? T'es-tu d'accord que t'as eu la même impression quand tu l'as vu? Il y avait l'air pas... Moi, j'ai trouvé, quand je l'ai vu, en tout cas, j'ai pas pensé qu'il y avait des traits tirés plus que l'année passée, ou v'là 2 ans, ou v'là 3 ans, à ce temps-ci de l'année. Tout le monde, tous les insiders, là, les vrais, là, je parle, là, pas les pousseux de rumeurs, là, mais les vrais insiders comme Bob McKenzie, puis Pierre Lebrun, puis ces gars-là, tout le monde dit que Marc Bergevin, c'est le directeur gérant qui travaille le plus fort à tous les ans. Il est toujours au téléphone, il est toujours en train de regarder qu'est-ce qu'il peut faire, puis il va être au courant, il reste en contact avec tous les DJ au cas des fois qu'il y a quelqu'un qui est disponible pour essayer d'améliorer son équipe. Donc, rendu à ce temps-ci de l'année, là, ça c'est presque un temps de l'année où les directeurs gérants ne dorment pas. Donc, c'est normal qu'il y ait les traits tirés un peu. Sauf que j'ai même pas remarqué, moi, quand je l'ai vu, là, j'ai trouvé qu'il était très détendu, puis il a même trouvé le moyen de faire une joke afin que tout le monde sur le panel a commencé à rire. Donc, j'ai trouvé qu'il était détendu quand même, il était lui-même. Je crois que Bergevin, là, il est... Ce que tu vois, c'est lui. What you see is what you get. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Il n'en dira pas plus. OK, il y a des choses qu'il garde pour lui-même, mais quand il dit de quoi, là, c'est pas de la bullshit, là, comme d'autres. Puis il y en a qui pensent que c'est ça qu'il fait. C'est pas vrai. D'après moi, là, ce qu'il dit, il le croit. Quand il dit donc, là, que donc, Bergevin, c'est mon... Mais non, c'est pas ça qu'il dit pas à tout. Non, c'est pas ça qu'il dit. Je me permets quelque chose, Élie. Vas-y. La perception des journalistes anglophones par rapport à ceux francophones n'est pas la même. Hein? Hey, pas pendant. Fait que la relation entre le GM avec les gars francophones et les gars anglophones n'est pas la même non plus. C'est vrai. Parce que faut se le dire, là, du côté francophone, là, ils jouent la game, là, puis c'est d'essayer de toujours trouver le bobo puis peser sa plaie. Ouais. Tandis que du côté anglophone, c'est plus business as usual. T'sais? Puis, gars, c'est ça. La question, c'est ça. Tu penses quoi? Parfait. Là, ils n'essayent pas de décortiquer ça en 75 pages. Puis ils n'essayent pas de lire entre les lignes ce que tu dis. C'est ça. Tandis que du côté francophone, il y a bien des questions pièges, puis il essaye tout le temps de l'amener dans un coin pour pas qu'il soit capable de sortir de là. Ouais. Mais c'est que le côté anglophone, parce que tu regardes les entrevues en anglais et en français, là. C'est deux mots. Tu vois la différence. Quelqu'un qui est bilingue, là, tu vois la différence. Même dans les traductions à RDS et TVA Sport, même dans les traductions, des fois, je l'écoute parce que moi, je comprends l'anglais, puis je suis comme, c'est même pas ça qu'il a dit. T'sais, tu vas voir c'est deux phrases, puis le gars, il parle pendant 3 minutes, t'es comme, t'sais, donner un message au complet qu'il va dire, là. Il met deux phrases en bas pendant que le gars, tu veux parler pendant 30 secondes. T'sais.
Oui, eux autres, ce qu'ils veulent, là, c'est des réactions sur... C'est des clics, des relations... Des, ben des, oui, des, c'est de la réactions voilà. Sur le page web, fait que si... Puis, bon, je veux pas je dire crois, que, Guy, au Guy, Québec, c'est pas tout le monde qui parle anglais, là. Pour ajouter à ce que tu dis, Guy, je suis 100% d'accord. Là, je vis dans le milieu anglophone présentement. Et puis, ça fait 25 ans. Je suis complètement d'accord, mais n'oubliez pas une chose, par exemple, au point de vue francophone, pour les journalistes à Montréal, c'est très, très, très compétitif. Tandis qu'au niveau anglophone, je veux dire, t'as la Gazette, puis t'as Hockey Inside Out, puis de quoi, là, tu sais, t'en as pas autant, là, du point de vue anglophone. Donc, ils peuvent se permettre de poser les vraies questions, puis de passer à autre chose, tu sais, de Brian Wilde. Tu sais, en général, c'est peut-être une des raisons. Sur l'autre côté, c'est vraiment, vraiment compétitif. Ben écoute, tu fais juste regarder TVA, puis RDS, je veux dire, ils se tirent à boulet rouge, ouais. À tour de bras, ouais. Tu sais, c'est normal. Écoute, moi, c'est pour ça que je suis un fan de TSN, parce que je trouve qu'ils sont tellement impartiaux, peu importe de l'équipe qui parle. J'écoute beaucoup, beaucoup Sportsnet, j'écoute NHL.com sur Internet, je vais me dire, c'est pas la même presse. Non, c'est non. Pas la même analyse, alors, même les matchs, c'est pas la même... Mon journaliste préféré, c'est Dave Stubbs, moi. Je l'aimais quand il était à Gazette, je l'aime encore, là, qui est à NHL.com. Mm-hmm. Le gars, là, c'est un gars avec intégrité, c'est un gars qui pose des questions, qui a une bonne tête sur ses épaules, Kelly Rudy est comme ça aussi au point de vue anglophone. Très, très, très intelligent. Il essaye pas de faire des histoires, là, avec rien. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gars qui font ça dans ce métier. Benoît, sur le chat, je vais aller apprendre l'anglais. Regardez aussi, comme à NHL.com ou à Sportsnet, t'as des gars de la Ligue nationale, des anciens joueurs qui travaillent là. T'sais? Mais ça vient d'à peu près n'importe où dans la Ligue. Là, t'sais? Ouais. Ça vient pas juste... Mais ah, du côté ça. Francophone, la plupart des gars qui sont là, c'est des joueurs, des anciens joueurs du Canadien. Là, ou des filles. Oui, il y en a quelques-uns qui ont joué ailleurs, mais c'est des francophones qui ont joué pour le Canadien. Du côté anglais, on est loin de Patrice Brisebois qui parle de la graine des gardiens. Là. Ouais, c'est ça. T'sais, moi, j'écoute un gars comme Kiprios ou Clay Rudy. Ou de la poche à Eli. Ouais. Tu vois que le discours n'est pas le même. Le discours n'est pas le même, puis l'analyse n'est pas le même. Non, c'est clair, t'sais, ça pour moi, aucun doute. Non, hey, c'est... Je vais terminer ça, faut les faut faire attention avec ça. Là. Je vais vous donner une statistique qui m'a fait halluciner hier, OK? Puis je n'ai pas parlé au début du show. Depuis le 12 décembre, OK? Le 12 décembre, le Canadien avait une fiche de 14-1-1 à domicile. Depuis le 12 décembre, le Canadien est la troisième pire équipe de la Ligue à domicile. L'Avalanche est au 30e rang avec 3 victoires, 11 défaites, 21,4% de points de ramassés. Les Devils, 4-10-2, 31,3% de points de ramassés. Et le Canadien est 4-7-3 à domicile, 39,3% des points de ramassés depuis le 12 décembre à domicile. Hey, 4-7-3. En date d'aujourd'hui, ça? Ça, c'est depuis le 12 décembre. On avait 14-1-1. À date d'aujourd'hui, présentement, le Canadien a 18 victoires. On a 11 défaites. 18 victoires, 8 défaites et 4 défaites en overtime à domicile. Ce qui n'est pas une mauvaise fiche, mais on est 4-7-3 depuis le 12. Yannick, je peux-tu rajouter quelque chose à ça? Oui, vas-y. Tu te souviens de l'article que j'avais présenté il y a 3 semaines là, sur les déboires de Carey Price et ses performances depuis le milieu de décembre? Il joue surtout à la maison. Puis il était moyen. On va se dire. Il était moins que moyen. Ouais. La majorité des matchs était moins que moyen, ça je dois l'avouer. Puis ouais, si tu te souviens le tableau là, avec les rouges là, puis les bleus puis les verts là, OK, le tableau que j'avais fait là, c'était surtout rouge. Et ça c'est depuis le 12 décembre. C'est pas un addon, hein. Il va falloir qu'on on s'entend qu'il faut des victoires. Attention, là, je dis pas que c'est juste Carey Price là, loin de là. OK, puis je suis un partisan, un gros partisan de Carey Price, j'adore le gars. Mais il y a sa part de blâme là-dedans. Ah ouais, non, ça je l'ai... Moi là, je me suis rendu à résidence et je me suis aperçu en fin janvier, là je défendais Carey, puis à un moment donné je me suis aperçu, je disais, l'année passée là, Condon avait les mêmes chiffres que Price vient de te donner depuis le mois de décembre, puis tu disais que Condon était une partie responsable des déboires du Canadien. Je me suis dit, je suis pas juste dans mon discours. Je dis là, j'ai peut-être de l'aveuglement, du fanatisme envers Price, parce que c'est mon idole, fait que je me suis dit, faut que je sois juste. Si Price arrêtait moindrement,
un gardien de la norme, comme je disais de Condon l'année passée. Canadien aurait peut-être 78 points au classement présentement, puis on parlerait même pas d'être en danger de faire les séries. La différence est là tant qu'à moi. Ça, c'est, faut l'avouer. Puis si il goal comme il a goalé hier, on va être en business pour le reste de l'année, on va se dire. Là. Et ouais. Ça prouve aussi un point que bien du monde parle. C'est que toute cette équipe-là est bâtie en fonction de Price. Si Price fonctionne pas, on est dans le trou. Puis Guy, j'aimerais c'est prouvé, là. C'est prouvé. Guy, j'aimerais rajouter quelque chose là-dessus. C'est peut-être une erreur. Ouais, comment je peux dire ça? Pas peut-être, ça l'a sûrement un... Comment je peux dire ça? Tu sais, tantôt, t'as parlé de Bergevin cette année, il fallait qu'il fasse des moves là, cet été, là, parce qu'il était rendu là. Je pense qu'il est rendu là. Je pense qu'il s'est fié à Price pour amener des résultats, mais je pense qu'il est le temps d'y enlever un peu de pression, puis de dire, hey, le gros, on va t'aider, on va t'en donner un peu plus. Que ça soit autant défensivement qu'offensivement. On parle des deux. Il a amené Weber, c'est déjà un bon move. On parle de faire un autre move pour amener quelque chose pour jouer avec Weber, parce qu'on va s'entendre. Depuis le début d'année, OK, oui, Emeline et Weber vont bien ensemble, mais il faut quelqu'un là. Je pense que cet été, on est rendu là à dire à Carey, parce que là, il est à un an de signer son contrat. C'est cet été qui c'est à dire à Carey, j'ai besoin de toi, regarde ce que je te donne. Je pense qu'il penses-tu est rendu là. On est-tu... Penses-tu qu'on a le droit de je pose la question même. On est-tu rendu à penser l'après-Price? Peut-être. Charlie Lindgren va très, très bien dans la Ligue américaine. Non, mais sincèrement, sans rire, il faut quand même le considérer. Ben, Ellie, t'en as un qui s'en vient, puis moi, je vais le dire, c'est McNevin. McNevin, moi, je pense qu'il va devenir un gardien pas loin de... Sérieusement, là? Je pense que les deux kids en bas, là... Ben, moi, je pense que McNevin va être supérieur à Lindgren, de pas ouais, mal. Là, il est encore junior. Ouais, mais est-ce que... Ouais, lui, ça va prendre du temps. Ouais, c'est on ça. On a vu ça de Foucault-Allais il y a 5-6 ans, là, tu sais. Ouais, non, mais Foucault-Allais, j'ai jamais vu, moi. Non, loin. Je comparerai même pas Foucault-Allais à McNevin. Il y a une équipe pour dire, banale, lui. Tout ça pour ramener à ce que tu disais, Guy, peut-être que tout mettre le fardeau sur les épaules d'un seul joueur était une erreur. C'était une erreur. C'est sûr que c'est une erreur, c'est sûr. Donc, mais il n'y avait pas le choix, c'est ça que je te dis. Rappelez-vous les grandes équipes d'Edmonton. Oui, il y avait Gretzky, mais il y avait Coury, il y avait Messier. Oh, mais c'est une autre époque, il n'y avait pas de masse salariale. Non, mais tu sais... Ouais, mais Guy, enlève la masse salariale. Enlève la masse salariale. Je comprends, oui. Carey Price sera un ajout à ce qu'on a. OK. Allons à Chicago. Mais à Chicago, ils ont deux joueurs. Tu es sur Jonathan Toews. Non, Toews et Kane, c'est la base du club. T'as Ossa, t'as Quick. Pas Quick. Crawford. T'as à défense. Eux autres qui les aident, là, Chicago, Duncan je vais le répéter. Key. C'est Duncan Keith qui les aide, qui a signé un contrat de 12 ans à 5,9 millions. Parce que présentement, Duncan Keith gagnerait 10 millions par année. Puis ça leur sauve ben d'argent oui. à l'os. Ça leur a sauvé. Ben oui, mais c'est pour ça qu'ils ont pu payer Kane puis Toews. Si Brooks, ils ont millions chaque. Quand est-ce qu'on peut signer Carey Price? Quand est-ce, à partir de quelle année on peut y redonner? À partir de janvier l'année prochaine. De 1er juillet. Non, janvier l'année prochaine. Janvier l'année prochaine. Ouais, à partir de janvier. Lui, il va pouvoir commencer l'année, disons septembre, octobre, non, décembre. À partir du 1er janvier, tu peux renouveler n'importe quel contrat de n'importe quel joueur. Je suis pas sûr à propos de ça. Moi, je pensais que vu que c'était un contrat à long terme, il pouvait commencer à négocier en juillet. Non. Ça se peut aussi. C'est juste les contrats d'un, hein, t'as pas le droit de commencer avant janvier. Ah, peut-être. Mais regarde, Montoya aussi en décembre cette année. Fait que je me dis, il y avait un contrat d'un an. Fait que là, je pense qu'on est tous mêlés, je pense qu'on est tous pas sûrs de ce qu'on dit, là, présentement. Là. Ouais, on va s'être informé, mais il me semble que j'ai vu 1er janvier. Les contrats d'un an, ça va en janvier. Puis là, vu que lui, il est sur un contrat à long terme, je pense que le Canadien pourrait le signer avec une prolongation de contrat à 10-12 millions, comme tu veux, là. Pas 12 millions, mais 9-10 millions pour 6 ans, 7 ans. Donc, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Juillet devient une date encore plus importante. T'as un point, parce que Montoya a signé le 2 janvier. C'est ça. Ça veut dire qu'un contrat d'un an serait janvier, puis un contrat à long terme serait en juillet. Le juillet de l'année d'avant. Mais Yannick, oui. T'as entendu dans le sens, ça revient à dire qu'en juillet, le 1er juillet devient une date doublement importante pour le Canadien, parce que si Price veut vraiment rester avec le Canadien...
il signerait dans les semaines suivantes. C'est avant bon. La saison, en tout cas. La ben, preuve pas de ça, la je pense qu'avant de ça, Noël. C'est regarder Stamkos. Stamkos, ça faisait un an, depuis juillet, mm-hmm. Il n'était pas c'est signé. Vrai. Puis tout le monde se demandait comment ça qu'il n'est pas signé, comment ça qu'il n'est pas signé. Puis ça a continué jusque pendant l'été. Là. Ouais, mais l'été il y avait d'après. Des négociations, ouais. Ouais, oh, c'est ça, mais il va négocier. Je pense qu'il va y avoir une négociation entre les deux parties. Puis je pense que Benjamin va vouloir enlever tout de suite ces questions dans le vestiaire. Tu sais, là, ouais, Price, puis tu vas-tu signer à la fin de l'année? Oh, ouais, vas-tu signer? Ouais. Quand t'arrives en janvier, les journalistes deviennent harcelants. Ouais, puis ton contrat, ça avance-tu? Ouais, puis là, ça va devenir une distraction. Ça serait donc très important. Ouais, ça serait donc important. C'est ça l'affaire. Puis ça revient à dire que le 1er juillet, on va savoir si Price va rester ou va s'en aller. Parce que s'il dit, pas écoute. Pas nécessairement. C'est beaucoup trop tôt le 1er juillet. C'est la regarde, première journée. Regarde là. Stamkos. Regarde Stamkos, c'est le meilleur exemple que je peux te donner. Là. C'est ça. Stamkos, qui en ont parlé tout le long là, pendant le mois de juillet. Ça a flotté, le mois de juin, mois de Toronto, juillet. Montréal. Ça a continué jusqu'à temps qu'il signe. Il n'a pas signé jusqu'à il a signé en juillet l'année d'après. Là. Il était agent libre par le temps. Parce que le 1er juillet, ben, je vais avoir des affaires à régler bien plus importantes que de penser à signer Carey Price pour le début. Faut que, avant de négocier avec Carey, faut qu'il montre son intention de vouloir. Fait que fais les moves que t'as à faire, puis après ça, on va voir Carey. Dans la même optique, les boys, dans la même optique, si tu veux attirer des joueurs, t'es bien mieux d'avoir ton Carey Price signé pendant plusieurs années, si tu veux attirer des gros noms, pour dire, regarde, venez, on va gagner ici, que si tu l'as en suspens, puis, hey, venez, je vais signer Carey après, oui. Ben, ça va marche de l'autre côté aussi, là. Ça marche de l'autre côté aussi, là. Si Bergevin, ça va chercher une coupe de gros noms, Price va dire, oh, peut-être que je veux signer ici. Ben, Benoît, il dit sur le chat, on a Radulov à signer aussi. Ah, ouais. Radulov, supposément que c'est déjà commencé. Non, ça va déjà nous pogner un petit chunk de plus. Radulov, c'est déjà commencé. Lui, c'est vrai qu'il demande pour 6 ans, là. Ah, moi, j'y donne. Je vois pas ça. Si c'est vrai qu'il demande 6 ans, là, il l'aura jamais dans la Ligue nationale. Il est mieux de retourner dans le KHL. Ben, moi, j'y donnerais 6 ans, Broupé, je le rachète, mais qu'il reste un an de contrat, je m'en fous. Mais j'y donnerais parce qu'on peut pas se permettre de le perdre. Fait que je m'en fous de donner 6 ans. Ouais. S'il veut 6 à 6, Yannick, j'y donne. Yannick, tu peux pas sacrifier le futur, une masse salariale. C'est ça. Ouais, vous savez comment ça marche, les négociations. Là, s'il a demandé 6 ans. De le payer, puis il est pas là pendant 2 ans, on va chier des tacles là-dessus. Faut qu'on soit conséquent. Oui, 5, j'ai pas de misère. Vous savez comment ça marche, les négociations. 4 ans, ça serait parfait pour les deux parties. Il faut absolument le convaincre que 4 ans. 7 millions, ça va se régler à 4 ans, 6,5, quelque chose de même. 6, 7, 5 à 4, je donne le même à ça. Et ça prend un autre chunk, c'est ça. Ça fait que là, Chris, on n'a plus d'asti d'argent pour ajouter d'autres pays. Il va falloir que quelque chose se passe. Radulov, Eli, là, s'il va chercher, mettons, 6,75, là, c'est 1 million de plus sa masse salariale. Flynn s'en va à fin de l'année, tu viens de payer Radulov. Fait que ça n'a pas d'impact sur la masse salariale. Plekanec va partir cet été, à mon avis, 6 millions. On va peut-être avoir un gars de 3 millions à la place. Peut-être t'as de l'argent en masse, parce qu'il faut pas calculer que Radulov va coûter 6,7. Radulov va coûter 1 million de plus que cette année. C'est pas 6,7. Dernier paye Galchenyuk. Dernier paye Galchenyuk au complet. Mais pour revenir... Si Plekanec s'en va, Dernier s'en va, Flynn s'en va, t'as 12 millions. Ouais. Drette là. Ouais, ça fait 11 millions. Markov va dropper. Markov devrait dropper. Markov va avoir le même contrat. 2 ans, 5,5. Mais pour venir à ce qu'on disait tantôt, là, donc, on va probablement pas faire de move à date limite. Oui, location. Parce que le 1er juillet, on va avoir beaucoup d'affaires et beaucoup de masse salariale bouger. C'est pour ça que je dis location, Eli. T'sais, location, à la fin de l'année, il est parti. Moi, je pense qu'il n'en fera pas de location. Moi, je suis convaincu qu'il ne louera pas. Ça ne vaut pas la peine. On n'a pas convaincu de... Qu'est-ce que tu veux... À moins que ce soit rien à un deuxième choix, là, non, un mais deuxième c'est ça. Choix qu'on a trop. Ben, Vanek a coûté quoi? Si tu donnes Andrighetto pour un deuxième choix pour un Vanek, pas de problème. C'était une bonne cuvée. Là. Vanek a pris un deuxième choix dans une bonne cuvée. Là, c'est une cuvée de merde. Un deuxième choix, ça vaut un troisième. Ouais, mais tu peux donner un deuxième choix 2018. On a trois en 2018. Même un quatrième. On a trois en 2018. Tu peux donner un deuxième choix 2018 avec un quatrième choix quelque part d'autre dans les années qui viennent. Tu sais, 2018 va être un bien meilleur repêchage que cette année. Là. Ça, c'est ça clair. Vaut rien. Ça vaut rien. On a eu Vanek pour un Colbert qui est devenu un flop. Un on n'aura plus jamais une location pour un deuxième choix. Arrêtez. Dans 9 jours, vous allez le savoir. Ouais, ça dépend de laquelle location, mais point top 6. Moi, c'est pour ça que, pour tout ce qu'on a dit ici, là, je pense que dans 9 jours, il ne se passera pas grand-chose. Faudrait faire une gageure entre toi et moi, Eddie. Une gageure le fun, là. Juste une gageure le fun. Là. Okay. Moi, je dis qu'il va se produire de quoi? Moi, je dis qu'il va y avoir un échange pour une location. Ben, toi, ok, non, attends. Est-ce que location ou big move?
Toi, tu parles location, hein? Moi, je parle. Non, moi, je parle qu'il n'y aura pas de location. Lui, il dit pas de location, pas de gros trade. Lui, il peut avoir, que... il pourrait avoir un gros trade. Mais ça, moi, je serais très surpris. Je serais très surpris. Non. Moi, je dis qu'il va avoir une location aussi. Ça veut dire. Une location, ça veut dire qu'il va aller chercher un gars qui va être agent libre cet été. Ouais. Ok. Moi, j'en ai de l'allure. Eh ouais, je prends une bière. Une bière, une grosse. Une bière. Faut que vous voyez. Là, ce qui arrive, c'est que ça va coûter plus cher de vous retrouver. Tant qu'elle arrive à Montréal. Ouais, c'est ça. Ça va coûter plus cher juste de prendre l'avion pour vous retrouver de prendre la bière. Là, c'est clair. Hey, merci beaucoup, Guy, pour ton appel. Toujours très apprécié. Donc, on va se parler sûrement la semaine prochaine. Pas de problème. Merci beaucoup, Guy. Attention à toi. Ok, on se reparle. Yes. Salut, Jimmy. Bon, Guy. Allez. Moi, tu m'as pas salué. Salut, Mike. Fuck, Mike. Merci beaucoup, mon Guy. Salut. Je vous reprends sur le... Oups, ça a coupé en même temps que j'ai baisé trop tard. Voilà. Donc, les boys, c'est tout pour nous autres. On va avoir débordé un petit 25 minutes, mais c'était quand même intéressant comme sujet. Je pense que ça a quand même bien roulé. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est pas mal la fin, là. 25 minutes en retard, là. On a perdu beaucoup d'auditeurs, d'après moi, qui écoutent la voix. Parce que vers 7h30, on a perdu une coupe. Péli, il a perdu sa blonde, sûrement. Renaud Lavoie? Hein? Ah, là, ouais. C'est ah ouais, mais Renaud Lavoie sur un stage. Ellie devait triper la semaine passée, non? Qui a chanté du métal. Pose des questions en creuse, man, esti, avec du trémolo. T'as-tu pogné lui qui chantait du métal? Ouais, c'est ça. T'as-tu pogné lui qui chantait du métal, Ellie, la semaine passée? J'en ai entendu parler, mais... Écoute, quand je l'ai vu, je pensais à toi, j'hallucinais. J'étais comme, voyons, tabarnak, que c'est ça. Il a été pris. Il a été pris par Isabelle Boulette, en plus. Ouais, mais supposément que c'était arrangé. On ne commencera pas à parler de la voix, là. C'est pas vrai, là. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Ellie. Merci, ça fait plaisir, man. Merci beaucoup, Mike. Pas de trouble, les boys. Tu te restes là à ta poche, mon Ellie. Ça y est, man. Ça y est. Ça y est. Ça y est, Lily va se parler, va dire salut, Mike va dire salut. Merci beaucoup, notre homme de l'Ouest. Ça fait plaisir. Donc, nous, c'est tout pour Hockey Sans Limite. Donc, on se donne rendez-vous mardi pour un avant-match de Hockey Sans Limite canadien qui va montrer les Rangers. C'est un petit avant-match de une demi-heure. On vous invite à nous suivre sur Twitter, là, à Commercial Hockey SN, notre page Facebook de Hockey Sans Limite, ainsi que notre site web, www.hockeysanslimite.ca. Suivez notre podcast aussi sur iTunes, Google Play, sur YouTube. On est sur Podbean aussi. Allez voir ça, allez réécouter nos shows en reprise. On vous souhaite une bonne semaine à tout le monde. On se revoit mardi. Attention à vous autres.